C'est le test là, normalement je suis en live. Ah là, ça y est. Ouais, normalement c'est parti depuis 10 secondes. C'est le test. On va voir si tout d'un coup il y a des gens qui arrivent ou pas. Le temps que ça s'envoie. Je suis avec Niniste, mesdames et messieurs. Ouais, le temps que la notification elle parte. Il n'y a personne. Y a-t-il du monde? Le temps que la notif elle parte, le temps que. Surtout qu'on n'avait pas d'heure précise en plus, donc. Je sais pas combien de temps ça va prendre, on va voir. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ouais. Mais là, c'est marqué le live est online. Donc, normalement, on est online. J'espère qu'on nous entend bien. J'espère qu'on nous voit c'est bien. Ça, il faudra voir si on nous entend correctement. Ah, monsieur Babtou, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. 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 C'est vrai que t'es petite, en fait, je me rends pas compte. je vais filmer, ça va être quelque chose. Hein. Regardez, on se mise aussi, comment arrive, ça va. Je lui arrive à l'épaule. Salut Oragamix, salut Babtou, salut la pomme. Bah, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? C'est la première question, ça. C'est salut Sovetonion, salut Jean-Louis, salut Draconix, salut Carapout. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas beaucoup de bruit, on est bien là. Salut Nyx. Attendez, regardez. Déjà, regardez d'où salut on parle là. Salut Nyx. Hop là. On vient d'arriver, c'est trop beau. Bonjour tout le monde, merci pour le sub Elif. Bon, je crois qu'il n'y a pas les alertes du coup, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire en sorte que les alertes marchent, mais il n'y a rien, on est d'accord sur l'écran. Salut Zenox, salut la Louve, merci pour l'abonnement. Bonjour. Je suis dégoûté. Pourquoi oui, il est dégoûté son milk? Parce qu'il est jaloux. Ah, il est dégoûté, ok. Est-ce que vous voulez déjà qu'on vous montre un petit peu où on est pour commencer? Attends, hop. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez ça, mesdames et messieurs, à quel point nous sommes dans un coin plutôt sympathique. Voilà, c'est pas mal. Bonjour Neji, salut Guillaume, salut Natnat aussi, salut Valou, Zenox, bonjour tout le monde. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est... En plus, regarde là-bas, tout au fond, on voit une montagne avec la neige. Ouais, on voit vous voyez la montagne avec la neige tout au bout, pas? Voilà, coucou Jambon, c'est incroyable, non? Ça, c'est Niniste, hop là. Niniste l'aventurière, et on est accompagné de Lola. Lilo. Merde. C'est le chien de Niniste. Voilà. J'ai remis la caméra sur nous. Lola. Voilà, j'ai dit. J'avais révisé en plus, vraiment. C'est Ilofi. On vous prévient, je pense qu'on va sûrement rater des messages. On ne voit pas très très bien le chat. Il y a beaucoup de soleil. Donc si on rate des messages, faut pas nous en vouloir. Faut en vouloir à Niniste surtout, pas à moi. Okay. Je peux subir ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je crois que Niniste, tu vas essayer d'avoir le chat un peu de temps en temps avec le téléphone. Donc on essaiera de pas rater les messages. Mais voilà, et puis le but ça va être de faire une petite balade, je pense, de 3-4 heures. Ninis ne le sait pas encore, mais là on va faire une ascension de 4000 mètres à peu près. Bah, on va là-bas, justement. On va au sommet en montagne que vous avez vu. C'est l'Eucalyptus, c'est l'Arnoto aussi. Donc, ouais, il n'y a pas les commandes, je suis désolé. Bah, c'est un live IRL, hein, voilà, c'est un test. Et si ça se passe bien, bah, on refera des lives comme ça. Pourquoi pas avec Ninis une prochaine fois aussi, je ne sais pas. Bah, ça dépend si tu as prévu de m'abandonner au bout de 4000 mètres d'altitude. Non. Attends, ou, est-ce qu'on se met dans l'autre sens? Parce que y a le lac derrière, c'est quand même très sympa, non? Regarde. Quel bonheur. Dites bonjour à Inox de ma part. Oui, on va chercher Inox. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais... Oui, bien sûr, on s'entraîne pour le rattraper. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on commence à marcher? Je pense qu'on peut y aller, non? Par là, du coup? Ouais, alors, je vous dis, c'est une balade que j'ai jamais fait. Ministre ne connaît pas non plus, à donc tout là... moment, on est perdu. Hein. Non, mais déjà, la route pour venir, tu vas raconter la route pour venir, j'aime je prends beaucoup, juste mon sac. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que tu tournes la caméra et que tu la mets vers moi, on ne voit que mon front. Il faut bien mettre vers le bas. Mais par contre, parlons de son stabilisateur. Regardez comme c'est beau. C'est pas mal, non? Regardez ça. Est-ce ça stabilise. Est-ce que c'est pas incroyable comme ça stabilise là? C'est incroyable. Nous sommes stabilisés. Ah ouais, c'est vrai que c'est dur de viser du coup. Oui, tu vois. Alors tu peux viser aussi avec la petite croix directionnelle aussi, c'est pas mal. C'est incroyable. C'est fluide, waouh. Franchement, pour les VRL, ça bug pas du tout, c'est génial. Top ça. Au poil. Alors faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'en Suisse, la connexion dans les montagnes est très bonne. Là, je suis en 5G, donc c'est plutôt pratique. Ah non, il y a General Mass. Oublie pas de laisser Ministre au milieu du lac. Alors Mass, t'offres 10 subs et je vais mettre. Je me mets à moitié. Je me submerge à moitié dans le lac. Attendez, vous avez entendu ou pas? 10 subs et Ninis se met à moitié dans le lac? Moi, non, 10 subs de masse. Ah, 10 subs de masse. Masse, je te les rembourse. Masse, je te rembourse les 10 subs. S'il te plaît, Masse, s'il te plaît. Est-ce que t'as pas envie de voir Niniste aller dans ce lac? Et je peux te dire qu'il doit pas être très très chaud en plus, hein, vraiment. J'ai pas regardé. Attends, alors, test, je change la caméra de côté. Bon. Par contre, il y a beaucoup d'algues et beaucoup de poissons. Ah, mais c'est pas étonnant. Hein. Le son est incroyable et même l'image impec, mais big up au son. Bah, ça fait plaisir. Coucou Grégoire aussi. C'est froid ou pas? Non, mais c'est pas propre. C'est pas propre. C'est naturel. Attends, Masse, pour te donner envie, regarde le début du chemin. Voilà. C'est-à-dire que Ninis, pour aller dans l'eau, elle devra marcher dans cette boue. C'est vrai que c'est pas fou. Donc. Pour 20 subs, je vous attrape un poisson. Ah, ça me dit the device is too hot. Ouais, bah oui, désolé. Hein. The device is too hot. Ah, mince. Oui, bah bon. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On pourra pas. Désolé pour le.
Je peux pas gérer. Bah, je peux pas refroidir. À moins que je le foute dans l'eau, non, le téléphone, il va pas se réchauffer. Je reviens sur nous. Hop là. Est-ce qu'on attend les 17 ou pas de masse ou... Non. Laisse-moi passer sur PC. Non, attends, c'est une blague. Je crois non. Tu le fais vraiment c'est, masse ou pas? C'est pour le début, hein. Laisse-moi au moins commencer cette balade comme il faut. Tu fais la même demain. Demain, il y a quoi? Il y a quoi demain? Je ne sais pas. Demain, on est quoi demain? On est jeudi. Donc demain, c'est potentiellement notre stream. Ah oui, le Chain Together, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Demain, il y a Chain Together, si le jeu est sorti. Si le jeu est sorti. Si le jeu est sorti, on va essayer, on espère que le jeu soit sorti, quoi. Ou un petit chien. Oui, est-ce que tu peux présenter ton chien, du coup? Vite fait. Le temps que Mas aille chercher Eddie Sub. Attends, hop là. Regardez, c'est un animal de toute beauté. Regardez cette silhouette. Est-ce qu'il est bien dressé ou pas? Enfin, est-ce qu'elle est bien dressée? Volontaire. Hein, voilà. C'est une silhouette parfaite pour la randonnée. Un chien extrêmement bien dressé. Mais je peux lui demander de dire bonjour comme au Japon. C'est vrai? Non, attends, j'ai envie de voir ça, vas-y. Alors attends, parce qu'elle va totalement m'ignorer. Non, là tu nous as vendu un bon dressage. Hein. Concentre. Lilo, concentre-toi. Ok. Tu dis bonjour? Lilo, bonjour? Elle ne le fait pas. Bonjour? Ouais, c'est timide. C'est bien? Allez, voilà, tu le refais? Lilo? Plus tard, s'il vous plaît, c'est la honte. Oh, il y a eu 10 subs de Général Mas. Non. Je te jure, c'est vrai. Il y a eu les 10 subs de Général Mas. D'accord. Qu'est-ce que... Pardon. Il y a eu les 10 subs de Général Mas. Déjà. Et voici ton plan d'eau. Mais tu as bien montré la... J'ai bien montré. Aïe. Et Romain, non. Pas toi. Ah bah, c'était pas proposé pour moi. Hein. Mais peut-être que là-bas, c'est plus facile d'entrer. Regarde, il y a un autre chemin. Non, mais regarde, là, tu vois, il y a un chemin avec un petit peu de mousse. Je pense que ça, ouais, ça tapisse. Autorisation d'enlever les chaussures. Autorisation d'enlever les chaussures. Allez. Mesdames et messieurs, préparez les clips. Mesdames et messieurs, je suis une femme de parole. C'est parti. Il y a des gens qui se baignent là-bas, donc je pense qu'ils sont fous. Toi, tu c'est parti. Salut, Madizen, comment ça va? Bonjour à tous, hein, désolé si je rate des messages, évidemment. Nini, c'est ton moment. Bonjour. Une parole. Bonjour. Merci beaucoup. Une parole. Vas-y, Niniste. Ah, c'est froid. Ah bah oui. Le but, c'est de ne pas réfléchir. Ah, faut pas réfléchir, faut y aller d'un coup. Voilà, bon, la bite, tu vas pas en entier, donc... C'est bon. Elle y est allée. Oh, y a Lilo qui vient avec toi aussi. Oh là là. Ça c'est va. Super. C'est super froid, tu m'étonnes. Non. C'est très très froid. Oh là là. Mais on peut dire bravo. Hein. On peut dire bravo à Ninist pour. Je l'ai fait. Bravo. Quel beau moment. Opérationnel. Maintenant, on peut y aller. Allez pour. Non, j'allais dire pour 10 sols, j'y vais aussi. Non. j'ai pas envie du tout. Oh, il ose pas. Les gens disent que t'es un monstre masse. Non. Franchement, c'était un peu agréable au final. Bah oui, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour. Bon, ce qui va être vachement moins agréable, c'est... C'est les chaussettes et les chaussures, les là. Chaussettes. Et les chaussettes et les chaussures. Et je suis couverte de particules, je veux même pas... On est dans Romain qui est allé dans un lac pendant ce bâton. Pendant ce bâton, c'est vrai que j'étais allé dans un lac aussi, tu vois, donc comme quoi. Mais là, il faut aussi préciser qu'il fait extrêmement chaud. Oui. Il fait quoi, 20 degrés, je pense, facile, hein. 20 degrés, mais avec un soleil... Ouais, un soleil... Bah attendez, je vous montre un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voici un petit peu où nous sommes. Je pense qu'on va avoir bien chaud pendant la balade. Le jus de chaussettes, quelqu'un dit. Je suis dedans, là. Romain, à ton tour, et combien tu le fais? On regarde plus tard parce qu'on va peut-être passer par ici plus tard. En gros, on va faire un grand tour. On va passer par ici plus tard. Hein. Bah, la voiture est à côté. Ouais. La voiture est à côté. Il essaye de vous entourer. Attends, il y a combien de subs sur la chaîne là actuellement? On peut faire un truc sur tout le live en entier si on atteint le sub goal du live. J'ai les chaussures trompées. tu as dit quoi? Je demandais combien il y a de subs sur la chaîne parce que je pensais peut-être le sub goal du live. Je vais me baigner dans le lac à la fin du. En gros, le tour finit de vos lacs. Donc, c'est sûr qu'on revient ici. Donc, J'ai froid. Salut Gwim, comment tu vas? J'ai très froid. Est-ce qu'on commence à marcher? Je pense qu'on oui, peut commencer s'il te à faire un petit peu le tour. Est-ce que tu veux raconter aussi l'aventure pour monter ici? L'aventure pour monter ici? Ah, parce que ah, c'était on pas... S'est... On s'est retrouvés dans des chemins... Oui, je suis J'adore, regarde, ça fait vraiment genre... Regardez-moi. Ministre. Regardez-moi. Elle est avec nous, vous inquiétez pas. On la perd un petit peu de temps en temps, mais elle est là. On s'est retrouvés dans des chemins de gravier. Mets-toi à ma gauche parce que le chemin est plus haut, je crois. Je vais tomber. Regarde, je vais me mettre de ce côté-là. Bonjour. Je vais tomber. Là, regarde, hop là. On a eu la surprise. Enfin, j'ai eu la surprise de découvrir les routes suisses dans cette petite zone. Wow. J'ai failli me casser la gueule. Et le fait est que il ne bétonne pas tout.
Ah, on était en fait, en gros, pour vous donner une idée, on était vraiment sur des petits chemins en gravier. Et Nini, c'était en mode genre. Ah, je suis pas sûr. Bonjour. Bonjour. Pardon, merci beaucoup. Alors, on arrive dans la forêt. Vous n'hésitez pas à me dire si au niveau de la connexion, il y a des bugs ou autre. Il ne faut pas hésiter. J'espère que ça devrait tenir. Mais normalement, avec la 5G, ça devrait aller tout le long. Ce qui me fait peur, par contre, c'est au niveau du souffle. Si on doit parler tout le long plus grimper, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être assez marrant. Ouais, parce que pour remettre un petit peu dans le contexte, nous démarrons la... T'apparais vraiment comme ça, c'est assez incroyable. Je sors de mon tuyau de Mario. C'est trop marrant en vrai. Mais oui, c'est vrai que tu sors du tuyau de Mario. Bonjour. Pour remettre dans le contexte, je ne sais pas si on m'entend, quitte à pas me voir. Je pense qu'on t'entend, ouais. Nous allons finir la balade aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Voilà, on va à 2000 mètres d'altitude. En termes de souffle, ça va peut-être être un peu compliqué. Et ça vous donne une petite idée aussi de la température de l'eau. L'eau, tu penses qu'elle était à combien pour savoir? J'ai mis que les jambes. Si ça dépasse les 10 degrés, c'est bien, je pense. Ah ouais, c'était vraiment pas chaud du tout, quoi. J'ai froid aux jambes, là. J'ai très froid. Et Nice, qu'est-ce que tu penses de la Suisse jusqu'à maintenant? Alors, j'ai déjà visité la Suisse. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. J'ai adoré les paysages, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis avec, avec les gens. J'ai pas eu une très bonne, un très bon aperçu. Et au final... Je savais que c'était une mauvaise expérience et je savais qu'il fallait que je me rattrape, que je laisse une seconde chance à cette magnifique... C'est magnifique. Alors là, vous le sentez pas, mais en fait, Nini, c'était accroché à mon sac. Hein, donc là, je le dis, je suis littéralement en train de tirer Nini, c'est vraiment non, genre... C'est parce que j'ai pas d'équilibre. Merci, c'est la peur pour le 18e mois. Merci beaucoup. Et donc, je voulais rattraper un petit peu cette mauvaise première impression que j'avais eue avec la Suisse. Et bah pour le moment, tout va bien, les gens sont très gentils, le pays est absolument magnifique. J'ai adoré Genève. Ah, comme quoi, voilà. J'ai eu le droit d'avoir une belle visite guidée hier soir. Donc les gens qui disent que Genève c'est nul, on vous retient. On a quand même été dans un endroit qui m'a vachement, vachement surpris. Boum. Nous sommes allés au bord du Rhône. Bord du Rhône, très beau. Et le Rhône, tu peux le dire, en Suisse, c'est plutôt propre. Le Rhône, il est incroyablement propre. Il est complètement transparent, les gens s'y baignent, c'est une ambiance de vacances. J'ai failli me casser la gueule là, vraiment. Et attendez, vas-y, passe devant Ninis, on va voir un petit peu l'aventurière en action, regardez ça. C'est, du coup, je disais, un magnifique pays. En fait, la balade est censée durer 4 heures, on va mettre 6 heures à faire le tour. Le Rhône était super. Oh là là, coucou Taz. Puis nous sommes allés voir le fameux lac. Non mais attends, j'ai tourné la caméra, elle se casse la gueule, Niniste. Le lac de Genève et la vieille ville. Et c'était comme ça. C'était merveilleux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à Genève, c'est très beau, il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas se contenter de rester au bord du lac. 4 heures aller-retour. En gros, ce qu'on fait, c'est une boucle. Ouais, on fait une espèce de boucle en gros. Donc ça va nous prendre 4 heures en tout, normalement. Et là, on est au lac de Chavonne. C'est vrai qu'on n'a pas donné. On n'a pas dit où on était, on est au lac de Chavonne. On est vers. On n'est pas loin de Villars, Lézin, tout ça. Pas loin de la gare de Breteuil. Si par hasard il y a des gens qui veulent nous rejoindre, voilà. Alors, d'ailleurs, qui nous rejoignent, on aura fini la balade. C'est ça. D'ailleurs, petite surprise, Général Mas sera au sommet de la montagne, déguisé en gorille pour attaquer Niniste, sachez-le. Donc fin du live, restez bien jusqu'au bout, parce qu'on aura la petite apparition de Monsieur Mas, n'est-ce pas, Mas? J'apprécie la comparaison avec le gorille. Les vrais savent. Mais du coup, voilà, lac de Chavonne ici, très très beau, très sympathique. Mais là c'est un peu casse-gueule là où on est, mais après les chemins seront un peu plus simples, je pense. Donc voilà. On est en train de prendre un raccourci pour faire le tour du lac. Je sais pas si on prend un raccourci, je sais pas du tout. Vraiment, je suis pas convaincu. Il y avait un chemin qui passait par en haut. Mais on s'est dit pourquoi prendre le chemin simple quand on Exactement. Peut simplement passer par là. Ça va la connexion, le chat, vous voyez toujours ça? Enfin, vous voyez toujours bien? N'hésitez pas à dire parce que je peux modifier quelques réglages si jamais. Raccourci, nager à travers le lac. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Nice? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de berge de l'autre côté. C'est, alors ouais, c'est vrai, regardez l'autre bord du lac, c'est vrai que c'est littéralement des falaises. Donc on n'est pas... Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. T'inquiète pas, tu sais quoi, je passe devant. Ah, j'avance un petit peu, déjà, avec Lilo. Oui. Attends, je vous remets sur moi. Hop là. Et moi, j'ai une question aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce Bob, le chat? Est-ce que tu valides le flow de Nice ou pas? Mais je valide le flow. Le flow du Bob, il est bien, non? Par contre, je te défie avec ma casquette. Ta casquette est très bien aussi, hein, vraiment. Je l'ai acheté à Kyoto. Ah, tu l'as à Kyoto, mais non. Ah,
Magnifique, le bob est magnifique. Merci, ça fait plaisir. Incroyable. N'hésitez pas à dire si vous préférez ma casquette ou son bob. Attends, mets-toi à côté alors. Regardez-moi cette beauté. Voilà, avec un tigre et tout. Casquette ou bob? Casquette ou bob? Ah mais le flow du bob est pas mal. Il est pas mal le flow du bob. Hein. Et je trouve que c'est pas facile à porter un bob, tu vois. Non mais ça te va bien. Ça me va bien. Petite lunette et tout. C'est quoi, j'ai un peu une tête de bobet? C'est... Ok, c'est bien ça, ok. Très très bien, ça fait toujours plaisir. Attends, il y a une petite barrière là, attention. Casquette magnifique, team haute forme, le bob je pense. C'est un peu du 50-50. Hein. Casquette, mais elle est cheatée celle-là. Parce que, et quoi sur ta casquette, j'ai pas vu. Je sais pas, c'est tigre. Ou attends. Non, c'est un vrai bon dragon, c'est une tête de dragon. Et un tigre, il y a les deux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas évident pour passer là. Oh mon dieu. Vas-y, tu arrives? Oui. Je pense que c'est pour empêcher les animaux de passer. Et les humains. Et les humains, apparemment aussi. Coucou Taz, bonjour tout le monde, désolé si on rate des messages dans le chat. Oh. Attends, tu peux venir ça, let's go. Pardon, je... pardon. Attends, tu veux filmer ça? Cette balade commence tellement bien. Tu t'es pas fait mal. Non, non. Donc c'est bon, on peut rire. Comment vas-tu? Putain de merde. C'est clippé, j'imagine. Ah ben j'espère bien qu'ils vont clipper ça. Qu'en penses-tu toi? Mais regarde, monte le chemin parce que c'était giga boueux, c'est pour ça. Oui, en fait, il est tombé ici. C'est littéralement un passage d'animaux. Donc potentiellement il est tombé dans le pipi de vache. Non, 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 je suis pas tombé dans le pipi. J'avais juste me nettoyer dans l'eau, ok? Eh ben voilà. Vous l'aviez voulu. Ça y est, c'est fait. Vous avez Romain qui va se baigner. Bien sûr, avec mon chien qui l'attaque, hein, c'est quand même sacrément plus drôle. Ah, lave-toi un peu. Lave-toi, on te dit, lave-toi. Ah, ça va être merveilleux, je pense. Non, je vais pas le pousser, vous êtes malade. Non, 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 non. Disons que c'était pas le chemin le plus praticable, je pense, de la randonnée. Et donc, on s'est laissé avoir par l'euphorie du début. Bonjour. Regardez, elle copine. Je vous coupe la... Oui. Dites-moi, monsieur. Ne tombez pas, ne tombez pas. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est mouillé. Oui, oui, faites attention, ça glisse. Ça glisse un petit peu, effectivement. Lilo. Ah là là. Romain, je te rends ton public. Je vais se récupérer ça, quand même. C'est sportif, c'est très très sportif. Ils se sont foutus de ma gueule ou bien? Alors la question est-ce que vous vous êtes bien moqué de lui ou est-ce que vous avez eu un peu de peine au final? Je sais pas ce que ça a dû donner sur le live, mais... Alors attention, désolé, ça va être un peu bizarre. Tu devrais faire attention à la caméra qui est peut-être un peu salie. Non, je pense que ça va. Est-ce qu'il y a des traces sur la caméra, le chat, ou c'est... Ok. Hop là. Alors, attendez, je vous raccroche, deux secondes. Désolé, je filme avec ceci. Boum. Est-ce que c'est pas merveilleux les aléas d'un live IRL? Oh bordel de merde. Non mais vraiment, ça fait même pas 10 minutes que ça a commencé. Je me suis dit que c'est un gueule. Alors attends, hop. Vous êtes... Oulala. Ouh. Hop là. Et là, je vous ai récupéré normalement. Ah mon dieu. Le cri était magnifique. Là, j'imagine. Je sais même plus ce qu'on disait. On était en train de comparer nos casquettes et notre... Il m'a fait de la peine, mais son cri... Salut Alan, comment tu vas? Bonjour. 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 Je vais mettre le chat moi aussi pour pouvoir leur répondre. Oui, alors du coup Nini sera le chat, ça sera plus simple. Et moi, il faut que je fasse gaffe à la batterie aussi. Ouh, j'ai déjà 80%. D'accord, si tu veux récupérer tout. Ouais, ça descend à une vitesse, nom de Dieu. J'ai adoré la chute, mais ça me fait plaisir. Évidemment, alors sachez-le, c'était totalement volontaire, c'est pour le content. Bien hein. Sûr. Et vous savez, je me suis inspiré de Nini sur Mario 64. Non, je me suis inspiré de Ninis pendant son challenge de ne pas mourir sur Super Mario 3D. Ça tapis, hein. C'est... Voilà okay. Pourquoi je suis tombé. J'ai le chat. Il est où le compteur de chute? Est-ce qu'on fait un compteur de chute? Je suis totalement d'accord, mais je pense qu'il n'y aura pas d'autre risque de vous décevoir. Je pense qu'il n'y aura plus de chute, effectivement, ouais. Puisque maintenant, on va faire extrêmement attention. Mais c'est peut-être parce que je vieillis hein, que je tombe comme ça maintenant. Alors, si c'était la vieillesse, tu te serais sans doute cassé le tibia. Bon, après, je suis tombé dans la boue, ça va. C'est ok. Hop là, Ninis qui apparaît toujours un petit peu de cette manière. Moi je suis là. Bonjour. Je passe devant. Tu peux passer devant. Bonjour. Si tu veux. Je sais pas ce qui est le mieux pour le chat, s'il préfère avoir devant ou derrière. Bon, on peut changer un petit peu tout le temps. Par exemple, là t'as un petit coin qui est un petit là, c'est, peu. Là c'est joli, je vous montre. Est-ce que par contre c'est le chemin de randonnée? Ouais. Pas de chemin, donc je ne sais pas. On va dire que c'est le chemin, non? Je sais pas, le chat, vous pensez que c'est le chemin ça? Moi je vois pas de chemin. Mais si, regarde, il y a un petit peu un truc là, non? Oui.
Donc, non, on est vraiment dans un endroit superbe, hein, la plaine et tout, c'est magnifique. Mais regarde, s'il y a un chemin là, regarde. Yes. Là, on voit le Alors, chemin là, vous le voyez ? Tu feras attention ici, c'est on boueux. A ce qu'on appelle de la boue, d'accord ? Ça glisse ça, non ? Tu fais très très attention. Ça glisse, on est d'accord. Hein. Avec l'îlot qui... Ne tombe pas. Non mais en fait, c'est parce que je tiens le téléphone aussi que c'est... Je perds en stabilité. C'est et le stabilisateur. Mais tu sais pourquoi ? Non mais c'est parce que je regarde le chat en même temps que je marche. Parce que j'aime mon chat et je veux leur répondre. Et du coup, je tombe, ok ? Je comprends. Ils vont se perdre, on va devoir envoyer des secours. N'importe quoi. Elden qui demande c'est où ? Comment Alors, on peut expliquer où on est ? En gros, on est vraiment vers Lézin, vers Villars. On est à côté du lac de Chavonne. Si vous voulez voir où on est, vous pouvez taper lac de Chavonne. Et vous tomberez sur le lac de Chavonne et vous saurez où on est, quoi. Le lac des Chavonne ? Ah, le lac des Chavonne. Le lac des Chavonne, et c'est vraiment... on est vraiment très très haut, on est perdu au fin fond de la Suisse. Bah dis-vous, on est, je pense, à en tout cas 1500 mètres d'altitude, là, donc... Ça en va aller, exactement. J'arrête la caméra sur nous, je pense, un petit coup. Avec le lac derrière, c'est pas mal. Je vois ma petite tête, là. Wouh, wouh. Nice, vas-y, baisse-toi. Vous connaissez. C'est vraiment Mario qui sort du tuyau, tu sais, vraiment genre... Bah, fais le petit bruit. Ouah, c'est tellement dur. Yahoo. Tu sais imiter Mario ou pas? Bah, yahoo. Mamma mia. Mamma mia. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Non, ça, c'est Todd. Yoshi, tu sais faire 1m60. Oh Léo, tu es tellement gentil de penser que je fais 1m60. Ouais, Ninis, on est plus autour du... Vas-y, fais attention à ce que tu dis quand même. Hein. Du mètre. Il a pas fait attention du tout. Putain, c'est bien beau, on est là. Le paysage est incroyable. Mais est-ce que le paysage est incroyable ou alors les streamers le sont? Les deux. Est-ce que c'est pas nous qui... Comment dire ça? Qui magnifions le... Oh là là. Mais où est-ce qu'on est? On n'est pas du tout au bon endroit. Hein. Je sais pas. Mais regarde là, il y a un chemin qui monte là-haut. Si, regarde, il y a un chemin là-haut. Ah. Regarde, le chat. Ça, c'est un chemin là-bas, non? Regardez. Je pense que c'est un chemin fait par les animaux sauvages. Non, mais c'est clairement un chemin, ça, on est d'accord. Oh, il y a quand même quelqu'un qui dit que je suis une bonne streameuse, mais juste moi, pas toi. Waouh, je sais pas qui a dit ça, mais... Bah, je écoute, ne sais pas. Je ne sais pas, je ne balancerai pas. Il y a rien de balisé. Bah si, mais plus maintenant. Non mais on va forcer là où on va forcément retomber sur le chemin, non? Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a plus là-haut? Eh bien, écoute, nous allons simplement regarder sur notre ami. On va regarder Google Maps, écoutez. Google. C'est interactif, let's go, un Telltale Lac. Ah oui, c'est vous qui choisissez notre chemin. Si vous voulez qu'on prenne ce chemin-là, c'est 3 subs. Si vous voulez que Niniste se rebaigne dans l'eau, c'est 20 subs. Et ça si va, vous voulez qu'on prenne ce chemin-là, c'est 5 subs. Ça va, tranquille. J'essaie d'acheter son chat. T'inquiète, je te donnerai la moitié des bénéfices. Ah. Alors le chemin... Joue le jeu. Salut Miaou. Le chemin est là-haut, mais si on continue tout droit, ça devrait rejoindre... Donc on peut tenter ce chemin... On peut tenter, mais ça va pas être un vrai chemin. Mais on peut tenter. Allez, tentons. Vous savez quoi ? On est des fous, on y va. On est des fous, on n'est pas des... Oh. Tu sais que le cri était bien timé en plus, hein. Attendez, je filme Nice parce que regardez. Ma chaussure. Mais juste pour vous rendre compte, voilà dans quoi on marche. Hein. Ah, on est vraiment dans... Ah putain, ah oui, on s'enfonce bien. Ça va aller Nice, t'inquiète pas. Allez. La rando dont vous êtes le héros. Est-ce que tu faisais ces livres quand t'étais petite? Oh putain, il y a la boue, oh là là. Ou tu sais, tu devais tourner les pages. Ah putain de merde. Ah, j'ai mal au cul. Attends, prends. Je me suis fait mal. Ah, j'adore. Oh, mince. Au final, on va pas avoir... Est-ce que... Oui, que dit le stabilisateur? Voilà, comme ça. C'est quoi ce chemin de con? Au final... Mais c'est quoi ce chemin de con? Au final, je pense qu'on aurait dû avoir un compteur de chute. Ah putain, mais c'est que moi qui tombe. Ah bah, comme quoi, il y en a peut-être qui meurent à Mario, mais en attendant, qu'il y en a qui tiennent sur leur pied. Il faut qu'on accepte que ça va être... Ça pourrait être dégueulasse, hein. Je pense. Quelle est ton impression, là, Romain, dans l'immédiat? Ah non, mais là, je suis heureux, là. Je me sens... Mais regardez le sol. Regardez le sol. T'as raison, c'est pas un chemin. Hein. Sans blague. On aurait dû faire le tour. Tu veux faire demi-tour? Monsieur Jacques, est-ce que vous acceptez d'abandonner et de vouloir faire demi-tour? Je sais pas. Le chat, est-ce qu'on abandonne ou pas? Tu demandes vraiment au chat? Mais je sais pas, en fait. Si tu penses qu'ils vont être gentils avec nous? Mais... Ouais, putain, c'est... Disons que nous avons... 4 heures de marche à faire. Ouais, là, là le chemin est pas terrible. Si vous voulez voir la suite de la rando, il va falloir qu'on avance. Hein. Non, mais on fait le tour, on passe par en haut du coup alors. Allez. Je pensais mieux, putain, on doit remarcher là où je suis tombé. Plus raison.
j'ai entendu raison, c'est bon. Milo ! Yes, il s'est pas trompé. C'est bon, c'est pas Lola, c'est pas Milo. C'est pas Milo. Bon, écoutez, on va faire le tour, ça sera plus simple, je pense, parce que... En fait, on se rend pas compte, mais je vous jure, c'est de la boue, on s'enfonce dedans. Hein. Oh, je pense qu'on s'en rendra bien compte. Moi, j'ai fait deux chutes quand même déjà. Hein. Oh putain. J'ai vraiment fait deux belles chutes déjà quand même. Hein. Ouais, c'était merveilleuse. Ninist 1, Romain 2. T'es tombé une fois toi? Non. Pourquoi ils disent Ninist 1? Moi, je suis allé dans l'eau une fois, mais je suis pas tombé. Ouais, ça compte comme une chute. Il y a un moment où. Oui, c'est oh, vrai. Oh là là. Oh putain de. Okay. Non, mais c'est un chemin de merde. Hein. Oh, c'est un chemin de merde. Oh là là. Je crois que volontairement, je vais remettre les pieds dans l'eau. Oh putain de. Non, mais on va être plein de boue en rentrant, ça va être incroyable. Mais c'est quoi cette balade? Qui a eu cette idée, Ninist? Toi, Romain, toi. Mais je t'ai proposé plusieurs randos, c'est celle que tu voulais. Bah, oui. C'est vrai. Non, mais le chemin, est juste là-haut, on est d'accord, non? Je pense. Tu penses ou... Il faut que je sois sûr. Alors, revérifie sur Google Maps, parce que... Alors, vérifions. Bon, en tout cas, on espère que ça vous plaît quand même, hein. Bonjour Turbo, bonjour ceux que j'ai raté, bonjour Chaudin aussi. Bonjour, bonjour. Installez-vous tranquillement. C'est un live aventure. Mais... Je te confirme, mais il y a un traverser. Ben, on traverse un cours d'eau. Putain, on va devoir traverser un cours d'eau. Oh là là. Froid de voir le boss avec l'ours. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer pendant ce live. Il y a effectivement un boss avec un ours qu'on va attaquer. Bien sûr, puisqu'en tant que femme, je préfère toujours croiser un ours plutôt que Romain. Exactement, voilà, surtout dans la forêt. Ben, voilà. Et Ninist a dit qu'elle voulait faire un accrobranche après. Ah bon? J'ai dit ça. Ninist a dit on va faire un accrobranche plus tard. Donc Le problème c'est que vu comment la balade est partie, on va très certainement devoir passer la nuit ici. Non. Mais non. Si vous ne me voyez pas en stream demain, c'est qu'on n'est toujours pas rentré. Quelqu'un me dit Romain est plus sauvage qu'un ours. Tu peux leur dire que c'est pas vrai, que je suis un bon hôte ou pas? Alors oui. Tu es un bon guide touristique, en tout cas hôte, j'en sais rien, mais tu es un très bon guide touristique. Voilà. Sachez qu'elle n'a pas été payée pour dire ça. Je suis ici de mon plein gré. Je lui ai fait apprécier Genève. Il m'a fait apprécier Genève. Voilà, il a pris du temps hier soir pour me faire visiter toute la ville. Toute la ville, deux, trois endroits quand même, ouais. Là, votre cas dit, j'ai pas dit en quelle situation il est sauvage. Très certainement quand tu joues à Elden Ring. Quand je joue à Elden Ring, je suis très sauvage, effectivement. Le chat peut confirmer, n'est-ce pas? Je suis d'une sauvagerie à toute épreuve, écoutez. Hein. Fou. Attendez, ça m'a l'air mieux comme chemin déjà là, non? Attends. Ne crie pas victoire pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, en tout cas, mais au moins c'est beau. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, il y a un chemin. Purée, mais c'est le chemin. Non, mais attends, on est trop bête. On est vraiment trop bête. Pourquoi? Bah, le chemin est là. Mais oui. Non mais attendez, je vous montre le chat juste pour vous prouver à quel point on est débile. Le lac est là. Hein. Le lac est là, on a raté ce chemin là. On a raté le chemin. Et je vous montre où on est parti, on s'est dit que c'était le chemin. On est parti par là-bas. Au fond dans les bois. C'est quand même drôlement bête. Hein. J'ai l'impression que le stabilisateur fait regarder la caméra un petit peu bas, un petit peu trop. Ouais mais je peux modifier, regarde. Tu vois un truc pas du fou. Ce qu'on pense les gens. Oui. Waouh. Ah, c'est là, pas mal, hein. Là, c'est pour la taille de Ninist. Coucou. Ouais. Vous avez la chance, il fait beau chez moi. Ouais, là, il fait super beau. Bah, il faut se dire quelque chose ici, c'est que ça fait quoi, 3 jours qu'il fait beau, là. Ouais. Donc, littéralement, Ninist, la semaine dernière, me dit, on fait quand même la balade, il va pleuvoir, gna gna. Et en fait... T'es en train de m'imiter, là. Bah, tu parles comme ça, non? D'accord. Ok, le chat, mon imitation de Ninist sur 10. Gna gna gna, gna gna gna, on mange du piment, gna gna gna. Ouais, il y a des 0, il y a des 10, donc c'est un peu les deux. Comment ça, il y a des 10? Aïe, bah la limitation est parfaite, non? Ni Link, il y a 10, 20 sur 10. Non, mais Link, ça c'est un traître. Comment ça? Il fait tout pour juste être dans le sens inverse de ma personne. Oui. Sachant que c'est mon modérateur, quand même. Mais je pense qu'il a bien raison en vrai. Ok, très bien. Tu veux que je t'imite peut-être? Vas-y, fais l'imitation de Romain. Non mais putain, j'y arrivais là et puis c'est le chat aussi qui me fait faire n'importe quoi et de toute façon généralement c'était vraiment trop con. Waouh. Waouh. Wow.
Écoutez, j'avais pas prévu de base, mais je crois qu'on va abandonner l'Iniste au sommet. Hein. Ça me semble un petit peu mieux. Et il y a beaucoup de 10 sur 10 dans le chat, ça me fait un peu mal quand même. Ah, merci. Voilà. Bon, on a retrouvé le chemin, ça fait plaisir. C'est pas le chemin qu'on vient de perdre à l'instant. Non, il est là. Non, le chemin est juste là. Nini, s'il te plaît. Attends, regarde. Me dis pas qu'on voit pas le chemin là. Regarde ça. Bon, moi j'appelle ça un petit découlement de ruisseau. Mais non, ouais. Non, c'est comme ça, c'est tac, 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 tac. Est-ce que. Non, c'est une clôture à vache ça, hein, c'est pas un chemin. On est d'accord. Là-haut, c'est une clôture à vache, oui. Vous êtes où en mais Suisse? Quel étrange pays. On est en Valais, au lac des Chavonnes là. Et c'est Ninis qui a choisi la randonnée, sachez-le. Enfin, j'ai proposé des randonnées, c'est toi qui as choisi. Alors je tiens à préciser qu'il m'en a proposé trois. Et que j'ai choisi celle qui avait l'air la plus jolie. Mais pour le coup, je pense que plus on va monter, plus ça va être joli. Par contre, moi, je suis impressionné que la 5G tienne toujours le coup là. Premier degré, c'est assez ouf. Il n'y a pas la 5G là où j'habite. Il n'y a pas la 5G dans la ville la plus proche. Il y a la 5G ici. Bah oui. Et voilà. Porte pas la poisse, ouais, pardon, je vais rien dire. Est-ce qu'on a des Valaisans dans le chat ou pas? Valaisans, du coup, les gens d'ici. Nous avons un Malaisan, en tout cas, ça c'est sûr. Et tu parles de Général Mas? Non, je parlais de toi, mais. Ah, oui. Ok, super. Ça fait plaisir. Yo Léo. Tu sais comment tu reconnais les Valaisans? Ils sont toujours bourrés. C'est un peuple qui ne connaît pas la sobriété. Que ce soit au volant, que ce soit à l'école. Ils sont complètement. Enfin, les Valaisans, c'est une culture. Hein. Ah, ça commence jeune. Hein. Ah, ça commence très jeune même. Le rhum dans le biberon, c'est ça? C'est ça, exactement. Les Valaisans dans le chat pour le confirmer. Non, on est sur. On est sur les alcooliques. Et ça parle comme ça, attends. Non, t'as chose magnifique par ici. Ça va le chalet? Je sais pas très bien l'accent, mais. Pas mal. Ouh. Bon, marcher et parler, c'est pas évident, hein. Ah non, ça fatigue. Hein. Oh. Dire que je fais le Mont Fuji cet été, enfin septembre, et que je vais le faire en live, va falloir refaire le cardio un petit peu, hein. Ouh. Bon, attends, j'ai montré un peu le paysage quand même. Ce qui vaut la peine d'être vu là. Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? Ça va aller, Nini, ça va aller. Ça va aller. Ouh. En tout cas, ça me fait méga plaisir ce live avec toi, Niniste. Ah, hein. Je te retournerai la chose une fois qu'on aura fini de grimper. Ah. Est-ce que ça compte comme une chute, ça, ou pas? Non, c'était un appui sur 4 membres. Un appui sur 4 membres, je connais pas ça. Ouh. Ah. N'hésitez pas à parler entre vous quand on est fatigué. Oh non, attends, la vue, elle est incroyable, attends, what? Oh la vache, la vue. Juste profiter un peu de la Suisse là. Oh. On nous entend respirer comme des bœufs, je pense. Ouais, nous on peut faire une petite pause en plus, c'est bien. Incroyable. Et là-bas, je sais pas, vous voyez sur le live, il y a un télésiège là-bas. C'est une piste de ski juste à côté. Je sais pas s'ils voient d'ici. Hein. Je sais pas. Pensez à bien boire, ouais. Tu parles de quoi boire? Du vin blanc parce qu'on est en Valais ou de l'eau? De l'eau. J'espère, bah j'espère. Oh, il y a un restaurant. Ah, mais oui, attends. Un restaurant en contrebas. Mais alors, tu sais quoi? Je te propose que, parce que là-bas, ce sera la fin de la balade. On va au restaurant à la fin de la balade. Ah, la récompense. Ok. Fin de balade, petit coca frites au restaurant. Et voilà quoi. Si, je quitte Paris pour venir ici. Personne ne quitte Paris pour venir ici, faut pas croire. Mais pourtant, je pense que t'es quand même pas mal, hein. Putain, ils ont fait une commande pour les chutes. Là, t'as vraiment fait une commande pour les chutes, là je rêve pas. C'est-à-dire? Ah, on est contre le vent, on est pas Valais. Merde, ok, je pensais qu'on était déjà en Valais. Ah, on n'est pas en Valais. On doit être vraiment à la frontière alors. Pourquoi y a une commande du nombre de chutes? Genre. Commande? Ah, donc ça veut dire que là on est à combien? Je crois 4, 2 chacune. Ils t'ont compté une deuxième chute, je sais pas quand. Alors, s'ils me comptent le même nombre de chutes que toi avec tout ce qui s'est passé, c'est pas très juste. Tu t'es vraiment vautré, si je peux me permettre. Je me suis vraiment. Vous savez que je suis plein de boue, hein. C'est vraiment. C'est incroyable. Salut Thaïs, comment tu vas? Salut Bertie. Il était par terre et il a roulé. J'ai non, mais surtout que j'ai. En fait, vous pouvez à la caméra, vous avez pas bien vu, mais j'ai essayé de me rappeler. Comment ça marche, hein? Oh, attendez, what? Attends, Ninis, je te laisse faire. Oui. Alors. Comment? Comme ça. Ok. On va passer par-dessus. C'est super haut. Non, mais vraiment, on doit faire ça là? Je sais rien. Ok. Je n'ai jamais vu ce type de barrière. Hop là.
faut un bac plus 6 pour passer les clôtures en Suisse. Un bac plus 6 suisse. Le petit chien. Pardon. Et alors, du coup, attends, je vais vous montrer un petit peu les destinations aussi. Hop. Et nous, on va au col de la Croix, qui est tout en haut. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée. Qui est marqué comme 1h30. Donc 2h pour nous. Vu qu'on parle en même temps. Mais voilà, en gros, on va là, nous. Okay. L'école de la Croix. Okay. Et pas l'école de la Croix-Rouge. Comme la Suisse. Ouais. C'est Croix-Blanche Suisse. Oh, Croix-Rouge, c'est... Oui, c'est les médecins. Voilà. Ministre, oui. Est-ce que tu connais la blague du dromadaire? Alors j'ai cru en entendre parler, je crois que c'est la blague la plus drôle de Twitch. Attends, je vais faire la blague. Est-ce que tu peux me la re-raconter? Je te la fais. Ok, écoute bien, Ministre. Ah, il y a une voiture. Une non, mais attends, il y a une voiture pile au moment où je vais faire la blague, vraiment là. Pilo? Attends, on doit attendre un petit peu. Ça, c'est gens qui montent à la montagne en voiture, je comprends pas. Hein. C'est vraiment des grosses feignasses. Hein. Ouais. Ok, Ministre. Oui. Est-ce que tu savais que récemment j'ai commencé un nouveau régime? D'accord. Où je me limite à manger un dromadaire par semaine. D'accord. Et vu que je ne mange qu'un dromadaire par semaine, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime hebdromadaire? Ah, c'est extrêmement drôle. T'as pensé quoi cette blague? Elle est incroyablement drôle. Ouais. C'est la 45e fois que je l'entends. Non, pas autant, quand même pas. Au moins. Non. Voilà, c'est plus simple pour marcher, ça va aller mieux. On va être moins soufflé. Le chien me juge apparemment. Je suis à combien de pourcents de batterie? Je regarde juste quand même. 60%, ça va. Ça va, en 36 minutes. Et quelle heure est-il là? Il est actuellement 12h53. D'accord. Et ben j'ai bientôt la mise en avant en plus. Ah oui. Donc sachez, à 13h, je suis mise en avant par Twitch pour cette petite balade. Donc ça fait giga plaisir. Et je répète, mais je vois pas les subs ni les follow. Donc merci aux gens qui ont sub, qui ont follow. C'est très gentil de votre part en tout cas. Mais je ne vois pas malheureusement. Mais n'hésitez pas à me signaler si les gens dans le chat le voient. Si des gens sub, n'hésitez pas à le signaler. Oui, voilà. J'ai vraiment le cul trempe, c'est assez spécial. Hein. Ah oui, non mais tu devrais même filmer tes jambes, si tu y arrives. Vas-y. Tu sais comment retourner la caméra ou pas? Alors... Non, à gauche, c'est le rear. Attendez, parce que j'ai un prise. Non, j'y arrive pas. Pourquoi? Attends, ça marche gauche, pas hein? Ça réussit? Non. Comment on tourne la caméra, les gens? Regarde là, tu cliques sur rien. Ah, ok. Regardez dans quel état... Attends, on est à l'ombre. Regardez dans quel état est votre streamer. Il est couvert de boue, sans doute d'urine et de crottes de vache. Arrête, il n'y a pas d'urine. Arrête. Non, arrête. Mais tu peux le dire, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urine du tout. Est-ce que tu sais comment on castre un bouc? Tu veux expliquer comment castrer un bouc? C'est très imagé. Vas-y. Alors, je tiens à préciser, pour ceux qui ne me connaissent pas chez Romain Jacques, qu'avant de me lancer dans le stream, je travaillais dans une clinique vétérinaire. Okay, pour castrer un bouc, c'est très simple. Vous prenez... Et vous tournez, quoi, jusqu'à ce que ça reste dans la main. Non. Ça fait plaisir. C'est cadeau. L'animal fait dodo. Hein. Mais c'est horrible. Mais je trouve ça tellement drôle. Mais c'est une couille Ikea. Genre tu peux la viser. Ah ouais, tu l'as. Genre comme une lampe de... Comme une lampe. T'as d'autres anecdotes comme ça sur les animaux? Ah oui, j'en ai raconté à mon chat il y a quelques jours. Ils ont détesté. C'était très drôle. Mais c'est rigolo, non? Bon, moi je trouve ça super drôle que ça parle de cocougnette. Indigo qui, c'est possible de la remettre? Malheureusement pas. Imagine que c'est un bon gros fruit que tu cueilles. Oh putain, mais c'est... Enfin, ça, mais comment ça peut se décrocher, je comprends pas. Bah c'est du tissu hein. Oh, mais c'est bizarre. Ouais, j'adore. Mais ça marche pas sur les hommes ça, on est d'accord? J'ai jamais essayé. Mais n'essaie jamais. Non, j'ai pas envie de finir en prison. Oui, c'est mieux. Oh putain. Les lapins qui se remontent les boulettes dans le ventre pour les protéger. Ah, ah ouais, ça c'est quelqu'un qui a bien entendu, bien écouté l'autre jour. C'est Pity Hamster. Les lapins se remontent les... Les lapins ont tellement envie de protéger leurs coucougnettes que si tu les touches ou si elles sont en danger, ça rentre et ça se cache dans le ventre. Non. Voilà. C'est... Alors Nini, si jamais... Ouais, a bossé dans un zoo comme elle l'a dit avant. Elle était vétérinaire, elle connaît les animaux, voilà, c'est pour ça. J'ai pas été vétérinaire, mais j'ai été soigneur. Ce qui est un peu différent. Il y a Alban qui dit sans sub, tu le fais sur Romain. Alors, je ne vais pas le... Non. Je suis pas chaud, même pour son sub, je suis pas très chaud, en vrai, vraiment. Ouais, non. Le côté douloureux et illégal de la chose, nous n'avons pas cette relation, lui et moi. En plus. Et est-ce que tout a un prix? Je suis pas sûr. Hein. Ah bah, quoi tu que... sais, une coucougnette, ça doit bien avoir un prix, t'en as deux. Hein. C'est enfin, vrai. Bah, en vrai, à part ça, vraie question les mecs dans le chat. Pour combien vous seriez prêts à sacrifier une couille? Une seule, hein. Ouais. Moi, je... 10 millions. 10 millions? Ouais. Alors, je suis mal placé peut-être, mais pour 1 million, moi, il n'y a pas de problème. Hein. 1 million, la couille, non. 1 million, la couille.
T'en as deux? Pour un homme, tu te rends pas compte à quel point c'est important une couille. Très certainement. 25 millions. Pour un sneakers. Un sneakers, c'est tout? 500 000, 2 millions. Avec anesthésie ou sans? Oui, non, mais on n'est pas des barbares quand même. S'il vous plaît. Non, on n'est pas des monstres. Non. Pour un iniste, ça peut dépendre, mais... Ça dépend. Et attends, je vais montrer un peu le paysage, parce que ça, c'est quand même pas mal aussi, on est. Hein. Pour une bière, il dit Onyx. Tout pour une bière, Onyx. Moi, j'ai une question. Est-ce que les gens dans le chat, vous étiez déjà venus en Suisse ou pas? Et sinon, est-ce que du coup, ça vous donne envie de venir en Suisse? Alors, évidemment, c'est pas tout comme ça, hein, mais... Il y a quand même beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Hein, ah, la montagne, c'est quand même pas mal. Hein. Plus ou moins, mais... Enfin, les paysages sont incroyables ici. Jamais vu, ça me donne bien envie. Je suis déjà venu à Genève. Interlaken, bien beau. Non et non. Ah. Ça vous donne pas envie? Non, je pense qu'il troll certains. Montagne supérieure à plage. Je suis assez d'accord, perso. Je suis d'accord aussi. Je préfère largement la montagne. Je trouve qu'il y a plus de choses à faire. C'est plus rigolo. Oh. Mon petit renard. Alors ça, il est vraiment trop beau, ton chien. C'est quelle race? C'est un chien de Guadeloupe. Ce n'est pas une race. C'est des chiens errants. Qui se reproduisent, qui sont pas stérilisés, qui sont souvent dans la rue. Donc elle vient de Guadeloupe. Incroyable. Tu as un promenade de ma petite Suisse. Exactement. Hop là. Et mon ça me fait trop plaisir. Pas à jour, je sais pas pourquoi. Ah merde. Ça bug un peu, ouais. Mais ça me fait plaisir parce qu'en vrai, les gens parlent beaucoup dans le chat, ils ont l'air intéressés. Vous avez l'air d'apprécier les paysages, donc... Bah écoutez, ça me donne envie de refaire des petites balades comme ça avec d'autres gens plus intéressants que Niniste pour les prochaines, quoi. Oui, ça va pas être très difficile à trouver de toute façon. Hein. Non, essaye bah... de prendre quelqu'un qui a la même hauteur que toi. Ouais, alors ça, j'avoue que... Mais je rigole, Jean-Bro, je rigole. Oh. Défendez-moi. Défendez les gens plus petits. On dirait un petit nain. Non, mais faut que je mette comme ça en fait. Je suis un Todd. Mais vraiment, on dirait un petit nain à côté. Salut, Cocop. Vous noterez qu'il m'a traité de nain. Hein. Non. Il l'a fait. Moi, je vois que tu balades avec Pac. La Pac est à le pied pété, mais sinon, je proposerais, ouais. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées. Rastam, j'avais proposé aussi. Il était chaud. Ah, je peux proposer à Nanis, on me dit. Ah non, Nanis, parce que t'es une naine. Qui a dit ça? Je ne dirai pas les noms. Qui a dit ça? Je n'ai plus le chat, pourquoi? Je ne sais pas qui a dit naniste, mais sûrement personne, t'inquiète pas. Mmh, bien sûr. Yo Glacon, comment ça va? Est-ce que Naniste connaît bien les Minimoys? Qui a dit ça? Je suis... Qui a dit ça? Laissez-moi regarder. Minimoys, c'est Spectreur. C'est Spectreur. Et si c'est pas lui, eh ben ça sera lui que j'accuserai. T'inquiète pas Spectreur, je te protège. Que dalle. C'est pas c'est Onilinx qui a dit ça, c'est Onilinx. Mais Onilinx, prends-toi une bière et laisse-moi. Oh, ministre, c'est pas mal aussi, ministre. Oh putain. Ah, ils sont fatigués. Onilinx, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, c'était pas lui, tu vois, c'était Spectreur. Bah après, c'est toi qui as regardé le chat, je sais pas. C'est une Hobbit. Tu sais qu'ils ont, dans le Nintendo Direct de hier, mm-hmm. ils vont sortir un jeu Hobbit, mais à Animal Crossing. Oh, ok. Je ne jouerai pas à ce jeu, je pense. Pourquoi pas? Tu joues à Animal Crossing? Je suis pas très fan, je t'avoue, ouais, c'est pas ton pas. Modèle. J'ai joué une fois, mais j'ai pas trop accroché. T'as des trucs de farm et tout, pas pour tout le monde à dire quoi. Oui, c'est vrai que t'aimes pas ça. Moi j'aime bien quand t'as des flingues, c'est Call of Duty. S'il te plaît. Tu peux le refaire? Non. Oh, attends, il faut que je vous montre là par contre. Voilà. Je voulais dire, c'est beau là-bas. Là, attendez, parce que là. Je vois pas très bien, mais ça a l'air très beau. Là, c'est très sympa, mais attention, est-ce que je peux faire la musique en mode genre. Attends, il y a une voiture. Attendez. Là, vous allez voir un truc de dingue, le chat. Préparez-vous, la musique Niniste. Et c'est là-haut qu'on va, mesdames et messieurs. Et ceci n'est pas une blague. C'est totalement une blague. Non, on va faire le tour par là-bas. C'est vrai? Ah oui, on va à gauche, regarde. On fait le tour de la montagne par la gauche, on va aller par là-bas. Hein. Ah. Je te jure, c'est pas une blague. Ah. D'accord. Oui, mais on va pas au sommet de la montagne. Ça veut dire qu'on va se rapprocher de cette montagne? Oui. Ah, oh, ça va être une folie, mais ça va être magnifique. Je vois Inox tout en haut. Non mais, Niniste qui est en panique. Oh, on va vraiment là-bas. Bon, attends, allons voir les panneaux déjà pour être sûr. J'aurais dû prendre un drapeau français pour pouvoir le mettre au milieu de la Suisse. Waouh. J'aime pas du tout marcher sur ces machins pour les vaches là. Ici, ouais. C'est un passage à chèvre. À vache. Il faut un quotient un petit peu plus élevé qu'une chèvre pour passer. Ah, ça attends. Va... Apply. Overheating protection applied. Je sais pas ce que ça fait, mais vas-y. Hein. Je sais pas, le téléphone m'a dit qu'il avait chaud. Yeah. Bonjour. Oui, c'est sur la gauche, Ninis. Oui, c'est bien à gauche, col de la Croix. C'est par là-bas. Yes, j'ai réussi à me remettre le chat. Nice. C'est moi qui te conseille de mettre ton téléphone dans du lit. Nice va disparaître dans la neige.
va y aller. Non, mais en gros, voilà, vous montez le chemin. Là, vous voyez la route qui monte. En gros, on va prendre cette route. La route, on la voit bien. Je pense que ça, c'est le chemin qu'on va prendre, en gros. C'est beau. Ton téléphone va finir par s'éteindre de chaud. Bah écoutez, si ça coupe, je suis désolé pour ça. Si tu tiens encore pendant 2 heures, ça prend le temps. Vous dites bonjour à tout le monde en Suisse. Non, mais en balade, tu dis bonjour aux gens en général, non? Oui, le Babtou. Mais genre, enfin, c'est pas que en Suisse, hein. C'est même en France, tu fais une balade, tu dis bonjour aux gens. J'ai remarqué un truc incroyable en Suisse. J'ai remarqué, et à partir du moment où on passe la frontière, c'est ça, les gens s'arrêtent tous pour te laisser traverser quand tu es sur un passage piéton. Ah oui, c'est vrai, ça oui. Les bus aussi, les gens en vélo, les gens en voiture, même les gens qui font les cakes en 4x4 avec leur gros moteur, ils s'arrêtent. Et c'est normal, c'est incroyable. Voilà. Ils font pas ça. Vous pouvez passer en France? Ah non. Bande de malpolis. Non, non, là c'est vraiment les gens font l'effort de s'arrêter. Mais vous savez, c'est parce que vous êtes trop pressé en France. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, dis donc. Mais est-ce que t'as déjà entendu un Suisse parler comme ça? Mais dis donc. J'ai jamais entendu parler un Suisse, puisque en général il me dit juste ça fait 2 francs, s'il vous plaît. Attends. Comment ça t'as jamais entendu parler un Suisse? À chaque fois qu'il me parle, c'est pour me demander de la thune. Mais moi je suis quoi, moi? Oui, mais toi t'es de Genève. Waouh. Je savais que j'allais dire un truc qu'il fallait pas. Waouh. Ninis, tu fais une demi-tour, s'il te plaît. C'est beau là-bas sinon, hein? Ninis, fais demi-tour. N'importe quoi. Je vais remontrer un petit peu les paysages, comme ça vaut vraiment la peine. Ah, c'est vachement plus intéressant que ce que je peux. Non, c'est bien intéressant, moi je trouve. Par contre, juste écoutez comme il n'y a pas un bruit. Mais le vent là. Vous entendez le vent ou pas? Ils entendent un petit peu le vent, ok. Ouais, la montagne est waouh, mais le pays, là où on est, c'est incroyable, vraiment. À la mise en avant qui a commencé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, ton chien, il me fait délirer, j'aime trop. Pourquoi? Je sais pas, il est trop chou. Même s'il a peur en voiture. Oui. Le chien Ninis est très paniqué en voiture. Et il était assis derrière, et vraiment, t'entends pendant tout le trajet. Et elle fait pipi. J'ai pas filmé ça. C'est déjà le deuxième pipi, hein, Lilo. Ça commence à faire beaucoup. Alors, tu t'es arrêté combien de fois en 2 heures de trajet? Ok, j'avoue, je crois que je me suis arrêté 3 fois, puis c'est déjà depuis le début du trajet, c'est vrai. Ok, peut-être que j'abuse. Ah, mais c'est l'âge, c'est la prostate. Ninis, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Ah, pardon, j'y vais trop fort. Ça commence à faire beaucoup, Ninis, ok. Pardon. Mm-hmm. Je suis en pleine santé. Ah, très certainement, j'en doute pas. Oui, c'est en tout cas. On va pisse beaucoup, non, mais c'est vrai, je pisse beaucoup. Alors, je pense que. Excuse-moi, mais ce qu'on ne remarque peut-être pas forcément dans le stream, c'est que là on est en train de prendre un chemin qui descend et qu'après ça a l'air de monter quand même. Ouais, mais ça monte, mais c'est de la route, tu vois, c'est un peu. C'est plus agréable que ce qu'on a fait avant, je pense déjà. Les bobs te vont très bien, en fait, c'est gentil. Oh, mais non, mais faut que j'affine. Elle s'est roulée dans un caca. Oui. Je jure qu'elle s'est roulée dans un caca. Tous les possesseurs de chiens, je te jure qu'elle se roule dans un caca là. Hein. Oui. C'est normal. Ah, il y a un peu trop de vent. Tu sais même pas viser en plus. Ça va le vent, le chat, ou c'est un peu désagréable? Ça reste ok ou pas? D'ailleurs, je crois qu'on a des micros. Là, c'était aussi test, ouais. Ça va, ok. C'est vraiment parce qu'ils disent ça s'envoler, mais en fait, il n'y a pas tant de vent que ça. C'est au micro, je pense que le bruit est beaucoup plus grand. Oui, ça va, c'est dur à entendre parfois. Bon, là, ça s'est calmé. Mais alors là, faut vous dire quelque chose aussi, on est du côté, en gros. Tout là, on est sur la face un peu où ça va être venteuse, mais dès qu'on va passer derrière, c'est vraiment le vent, je pense. Voilà. Puis nous, ça nous permet de nous refroidir, d'avoir un peu de vent aussi. Ayez pitié. Bah, je sais pas quelle température il fait pour les gens dans le chat. J'imagine qu'il fait du 30-35 selon où ils sont. Mais nous, on est bien là, il fait 20 degrés. On a un petit vent, c'est assez agréable. Hein. Bah, c'est vachement beau. Bah oui. La Suisse, mesdames et messieurs. C'est calme. Je pense qu'on est les gens les plus bruyants de la région. Oui, mais c'est pas très grave. Non, mais on dérange qui à part les vaches? Bonne question. 18 chez moi, 25 chez moi. La Suisse, c'est le Finlande. Chez moi, il fait 18 degrés. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait beau cet été, hein, pour l'instant encore. Hein. C'est vrai que c'est le printemps. C'est totalement le printemps. 27 ici, 17 chez moi. Mais je crois qu'on a juste de la chance en fait. C'est quoi? Je crois que la météo vraiment a vu que je faisais un live en montagne et a dit. Je vais. Parce qu'on rappelle aussi que début de semaine, il devait y avoir un énorme orage. Et plus on s'approchait de la date d'aujourd'hui, plus l'orage s'annulait. On a du vent dans le micro, je sais. Désolé, je ne peux absolument rien faire. C'est pas comme si je peux faire genre stop. C'est bon, c'est mieux là, stop. Là, il n'y a plus de vent. Mais ça a marché en fait. Il y a de l'écho, non? Écho.
Est-ce que vous entendez le chat? Attendez, le chat, est-ce que vous entendez ou pas? Écho! Nous, on entend bien ici. Oh non, il y a du vent! Il y a du vent. Non, ils n'entendent pas. Bah, vous savez pas ce que vous ratez. Ouais. Un petit peu quand même. C'est très très beau. Bien juste que la connexion, là, on va arriver dans une forêt, donc c'est possible que la connexion soit un peu moins bonne si jamais je vous préviens, vu qu'on arrive dans une forêt. Donc bah n'hésitez pas à nous dire si jamais. Le vent fait partie du délire. Bah en vrai en montagne t'as du vent quoi. C'est. Oui. D'ailleurs prends ça deux secondes, je vais boire un petit peu d'eau. C'est pour toi. Bonjour, je suis actuellement en train de voler le chat de Romain Jacques. Je vous suis un petit peu par ici hein, pour essayer de rater moins de messages possible. Tout simplement. Un petit yodelé pour les cons. Je peux faire ouais. Vas-y. Yodelé. Yodelé. Ah, je me trompe de sens. Ah, voilà, yodelé, 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 yodelé. Yo. Ça ne marche plus. Alors attention, nous passons un passage de chèvre. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'espère que vous êtes heureux, vous pouvez lui demander n'importe quoi, il le fait, c'est tellement drôle. Enfin, je dis ça et je me suis baignée tout à l'heure, donc au final je le fais aussi. Quel beau chant! Il fait une incantation. Ah bah là, il va faire apparaître le dieu de la Suisse. C'est quoi le dieu de la Suisse potentiellement? Il y a un mec bizarre qui me court après. Je suis désolée, je suis en live actuellement sur Twitch. Il y a un mec avec un bob qui me court après. C'est par là. Oui. C'est là-bas. C'est là-bas. Il y a toujours un mec bizarre qui me court après. Il a un bob. Il est dangereux, il a un bob. Ah. Tiens, tenez. Prenez mon live. Prenez mon live. Prenez ma vie. C'est ce que j'ai. Mais t'as vu, tu te trompes pas de chemin quand même là hein. J'aurais pu laisser Nice partir toute seule de son côté, on l'aurait jamais retrouvé. C'est dommage, hein. Il va invoquer Guillaume Tell. Tu connais Guillaume Tell? Guillaume Tell, oui, bien sûr que je connais. La légende suisse, celui qui a mis une pomme sur la tête de son fils. Ah ça, je suis pas au courant de la légende. En gros, la légende qui s'est formée sur Guillaume Tell, c'est qu'il a mis une pomme sur la tête de son fils. Il a tiré à l'arc sur la pomme. D'accord. Je me dis si c'était arbalète ou arc. Et c'est tout? Bah c'est ça, c'est fou. Arrête, c'est fou, ok? Je ne suis qu'une tête qui dépasse arbalète. De ce stream. C'est vrai que t'es... Attends, on va faire un truc. Hop là, voilà. Comme ça, c'est mieux. Arbalète, on me dit. Arbalète, ouais. Ou AK-47, ils sont pas trop AK-47. Tu sais, nous, on a Guillaume Tell, on a Roger Federer, ok? Et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Non, c'est pas vrai, en plus. On a des stars en Suisse, ok? Oui. Est-ce que tu connais Bastien Becker? Bastien Becker? Non. Ok, Est-ce que tu connais Stanislas Wawrinka aussi? Tu connais Shakiri? Tu connais Heidi? Oui! Ah voilà, non, voilà! Non, on a des stars en Suisse! On connaît Heidi. Romain Jacques? Bien sûr! Oui. Chaplin, ouais, Charlie Chaplin s'est installé en Suisse. Ok, oui, mais. Bon, il est. Installé. Je crois pas qu'il est suisse, mais il s'installe en Suisse, effectivement. C'est déjà pas mal? Bah, Gerard Jones. Tout à fait. Qui est suisse. Qui est parti, mais qui est suisse. Qui est parti, qui habite à Montpellier, je crois. Mais qui est effectivement suisse. Vincent Siro, tonton. Vincent Siro. Tonton, streamer aussi. Tonton. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Tonton est suisse. Je l'ai rencontré il y a quelques fois. Très gentil. Stephen Eicher. Stephen Eicher. Le général Guisan. Voltaire. Voltaire, non, Voltaire. Ah non, il n'est pas suisse, Voltaire. Je sais plus, c'est du côté. Attends, je vais montrer un peu le paysage quand même parce que. On dit des bêtises, mais. David Castello Lopez, il n'est pas suisse du tout. Non, David Castello Lopez n'est pas suisse, il est français, mais il a été invité à faire des émissions sur la Suisse. Je possède des thunes. Mais il y a des gens qui disent cahier. Non, mais c'est pas une personne, je crois, non? C'est une marque de chocolat. Comment ça, cahier, c'est pas une personne, c'est une marque de chocolat, c'est quoi? Tu connais pas cahier? Attends, non. Le chocolat cahier? Ah non. Quoi? C'est pas Milka le chocolat suisse? Wow, Milka, c'est vraiment un truc touristique. Hein. Tu sais que les petits Suisses ne sont pas Suisses? Ils sont pas bretons. Je crois, allez, est-ce que quelqu'un sait dans le chat d'où viennent les petits Suisses? Elle connaît pas le cahier, non? Oui, bon, excuse-moi, hein. Excusez-moi. C'est comme Monaco, on n'est pas monégasque, on le devient. Ah bon? Oh. J'étais pas au courant de ça. En même temps, la moyenne d'âge, elle est de 90 ans, tu m'étonnes. Waouh. Rousseau est Suisse. Ok. Voilà. Ok, ok, il y a du pop. Milka, c'est pas Suisse, apparemment, tu vois. C'est même pas Suisse. Parce qu'elle connaît le gruyère, bien sûr. Oui, quand même. Quand même. Moi je vous propose, on a pris les sandwichs, mais si à midi, on arrive dans un petit restaurant où il y a de la fondue, on se fait une fondue. Quoi? T'es pas motivé? À midi?
Ouais. Il est 13h. Oui, enfin le repas de midi. Ah oui. Une fondue là avec cette chaleur. Je sais pas, c'était bien, non? Alors le challenge, ça va être de réussir la rando après avoir mangé une fondue. Bah oui. Il y a un berger derrière moi, on me dit. Je sais pas s'il parle du chien ou... Je pense qu'on parle du chien. Mais hier soir, on a bien mangé aussi. Hein. Hier soir, on s'est fait un petit restaurant. Pour ceux qui connaissent à Genève, on était au Café Remords. Oui, c'était sympa. Nice a bu deux spritz, c'était complètement pété. Alors non, c'est faux, j'en ai bu un. Oui, un et un deuxième. Ça fait deux, Nice. Oui, mais un, puis j'ai attendu, on est allé ailleurs, et puis un deuxième. C'est pas pareil. Tina Turner est suisse, apparemment. Ah ouais? D'accord. Est-ce qu'on est heureux de ça? Je suis pas sûr. Moi, j'adore l'anecdote. Oui, c'est très bien. Est-ce que Ninis t'a bu? Ninis a pris deux spritz, ça va. J'ai pas pris d'eau, enfin si, j'ai pas bu d'eau là, j'ai pas fait de halte, je vais le faire tout de suite. Je te laisse faire une halte. Il y a le petit nain qui vient chercher son eau dans mon sac. Il y a une araignée sur ton sac. Bon, c'est pas très grave ça. Attends, voilà. Je vais filmer ton chien en attendant, c'est plus intéressant, non? Hop. Regardez-le! Là, regardez là. Regardez, est-ce qu'on peut dire de venir? Bien sûr. Si tu prends pas de nom, elle devrait venir. Lilo! Lilo! Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Salut! Salut! Salut Lilo! Salut! Une bête arrive! Elle a mis sa truffe, elle est adorable! Quand je vous le dis qu'il est parfait ce chien. Il est très chou. Chien! Il y a juste des gens qui écrivent chien dans le chat. Quand ils sont contents? Bah oui. Et là-bas il y a des vaches en fait, on les a pas montrées. Vous voulez voir les vaches? Elles sont peut-être un peu loin. Est-ce que. Non, non. Tu sais que j'ai un peu peur des vaches donc non. Ah c'est vrai? Ouais, j'ai un peu peur des vaches. Je comprends. Instinctivement c'est ouais. Pas mal. Oui, les vaches là-bas ou pas? Après il y a un chemin, il y a un monsieur hein. Oui mais j'ai pas, non. D'ailleurs c'est peut-être le chemin qu'on aurait dû prendre, ça aurait été plus rapide. Donc on a fait la route nous, mais c'est peut-être plus sympa le chemin. Je sais pas comme ça. Bon bah si on croise des vaches, moi je m'approcherai avec le chat. Mais je vous jure, je suis pas bien face. Si on passe à côté de vache, vous allez sentir que je suis pas bien. Non mais en vrai c'est pas risible parce qu'une vache, si elle a décidé de te défoncer, elle te défonce. Hein. Mais c'est imposant quand même une vache. Oui c'est ça. C'est giga imposant. Donc on ne se moque pas, il y a des gens qui ont peur de plus petits. T'as des peurs toi ou pas? J'ai peur des autruches. Autruches? Oui. Mais j'ai bossé avec, donc forcément okay. Ça va être pas... Ah c'est marrant ça comme peur, j'avais jamais entendu ça. Non mais c'est horrible une autruche. Ça se coule là avec cette gueule tout le temps ouverte et... Et ça arrive avec son air imposant, on dirait que ça vient de manger avec ses yeux vides et tout. Oh. Il y a quelqu'un qui dit Omalilo, Pagne Labo. Ah, Pagne, ouais, je le connais. Bonjour Pagne. C'est cute de fou les vaches, je vous jure, ça me fait peur. Ouais, c'est très mignon comme ça, moi j'aime beaucoup aussi. Moi j'ai peur là, j'ai la thalassophobie, moi. Peur d'aller dans l'eau. La thalassophobie, d'accord. Ouais, ouais, je suis donc j'imagine que tu vas pas aller forcément te baigner dans le lac. Dans le lac, ça va. En fait, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, donc ça va mieux. Mais avant, j'avais très peur du lac, mais maintenant, c'est plus que la mer et l'océan. Les lacs c'est ok, j'ai réussi à me convaincre qu'il n'y avait pas de requin et du coup que c'était safe. Ça va. Très bien. Dans quel canton? Le canton de Vaud. On n'est pas très loin du Valais, on est vers Lézin, vers Villard. Et on a commencé à balader au lac des Chavonnes. Tu as l'air qui te demande si tu es suisse ou si tu es en aménagé là-bas. Je suis suisse. Et il a les moyens. Je pardon. Suis suisse, et quelle heure est-il? Suisse. J'espère que les gens ont la ref. C'est joli. Oui, mais surtout gentil. Je sais pas si les gens... Est-ce que les gens ont la ref? Il a peur de Georges Pernod, je sais pas qui c'est. De qui? Je ne sais pas qui c'est. De Georges Pernod. Fais gaffe à tout le monde, il y a des vaches aquatiques. Mais ça existe, c'est les lamantins, non? Ouais. Les lamantins, c'est les vaches aquatiques. Alors, est-ce qu'on prend le chemin qui monte ou qui descend? C'est là-bas. C'est à gauche, hein? Regardez. Chemin qui descend mais qui monte bien après. Regardez. Ah, attends, il y a des gens qui mangent là, on va peut-être pas rester trop longtemps. Il y a tellement de vent, vous êtes sur le tournage Avatar. Il y a du vent, la merde. C'est vraiment dérangeant le vent, le chat. Désolé, hein, c'est le cas, on fait comme on peut. Non, non, ça va. C'est okay. Un peu salvateur pour le vent. Ouais, je vous jure, le vent. Et voilà, du coup, on se fait cette grosse montée là. C'est pas le vent, c'est le cadeau de Romain. C'est-à-dire. Oh, en vrai c'est trop beau on a. Ouais, c'est et ça c'est une balade que je n'ai jamais fait moi. Donc je découvre aussi celle-ci. Et ça me fait assez plaisir. Et je pense que quand on aura bien escaladé ce petit chemin qui nous attend, ouais. On va revoir la montagne enneigée. Je pense que la vue elle doit être ah, là, je pense que juste derrière là-bas il y a la montagne enneigée, ça va être très cool ouais. Il y a des gens qui demandent d'arrêter le vent, est-ce qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose ou pas?
Moi ? Ouais. Je peux essayer de prier le dieu du BLJ, mais je suis pas sûr qu'il faut. Prier le dieu du BLJ. Oh, il y a une rivière ! Le dieu du Skilrun, peut-être ? Il y a une petite. Attends, mais faut pas que je change la caméra du coup. Il y a une petite rivière. Oh, c'est trop bien. Il est où ? Ouais, quoi ? Ah, mais c'est l'occasion de tester ma super gourde. Alors, Nini, c'est une gourde apparemment où elle peut remplir avec de l'eau de n'importe où. Et ça la filtre l'eau, regardez. Regardez, il y a une paille à l'intérieur. Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Pas du tout, c'est un cadeau de mon modérateur. Mais pour le prochain live randonnée, n'hésitez pas à envoyer des collaborations commerciales. Le tourisme, n'hésitez pas à nous payer un hôtel au sommet de la montagne. L'office de tourisme, n'hésitez pas, ça y te mène. Je pense que c'est ok, c'est pas de l'eau sale. Je pense pas que c'est de l'eau sale, non. C'est la montagne. Hein. Ouais, bah au pire, c'est le moment de tester. Merci aux gens qui s'abonnent. Désolé, je vois pas du tout les gens qui s'abonnent. Merci du fond du cœur pour tous les abonnements. Ça touche vraiment. Merci du fond du cœur, c'est très gentil. Et merci aussi aux follow qui nous rejoignent sur la chaîne. Bah, Niniste, voilà. Niniste a sauté dans l'eau pieds joints. Waouh, elle est bonne, hein. Vous avez vu là? Ouais. Quand tu dis elle est fraîche, tu parles de moi ou de l'eau? De l'eau. Ok. Des particules, hein. Mais ça ira Nini, t'inquiète pas. Si je ne tombe pas malade, c'est que la gourde marche. l'eau elle a la moins bonne couleur là pour le coup, tu vois, de ce côté là mais elle vient de là. Et en fait l'eau vient de là. Ça vient de l'eau stagnante en fait. Ça veut dire qu'il faut pas que je le vois. Là du coup je suis moins chaud là, mais c'est le moment de tester la gourde. Je te dirais d'éviter quoi. Bah tu peux tester la gourde, écoute, hein. Est-ce que Sandmill qui est toujours là? Est-ce que c'est Sandmill qui t'a fait la gourde? Oui. Ah, il y a un chien. J'aime pas les chiens de on va bouger. Tranquille. Tranquille. Ça va aller. Lilo, elle va réagir bien en général? Oui. Tranquille. Ça se renifle le cul, évidemment. Si ça se renifle les fesses, c'est que tout va bien. C'est vrai, s'il se renifle le cul, c'est que tout va bien? Oui. Ah ouais, gentil. C'est un bon chien, c'est bon. Bonjour. On y va? Oui. T'imagines? Heureusement que les humains sont plus comme ça quand même, ça serait bizarre. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est là. Bof. Non, en fait, je vais pas rebondir là-dessus. On va pas rebondir là-dessus, mais c'était juste une phrase comme ça que je. Hors contexte, vraiment. Une phrase random. Et ensuite, c'est moi qui choque tout le monde avec mes histoires de coucougnettes. Voilà. Ce petit live pour casser un peu ma journée d'examen. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en examen là. J'avais encore pas pensé. Maintenant ouais, les examens, c'est quand? Jusqu'à vendredi, le bac, brevet, tout ça. Courage à vous en tout cas. J'espère que ça va aller. C'est la petite bouffée d'air frais qu'on vous offre. Voilà. On vous emmène parmi nous. Jusqu'à mardi. Bon, je sais pas, j'ai inventé une chanson. Ah. J'ai pas inventé une chanson. Ah, si, jusqu'au 2 juillet apparemment. On va encore parler de bouboule. Non, tout va bien. T'as fait le gymnase romain. Ouais. Alors le gymnase, qui s'appelle aussi le collège en Suisse, c'est l'équivalent du lycée en France en gros. Le gymnase? Ouais. Pourquoi appeler ça comme ça? Mais je sais pas, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le gymnase? Mais en gros, le diplôme qu'on reçoit à la fin du collège, nous, c'est la maturité gymnasiale. D'accord. Voilà. On en apprend tous les jours. Parce qu'on est très sportif. Peut-être. Peut-être. Zara, du coup, la Suisse te plaît? Parce qu'on rappelle, Niniste était déjà venu et c'est mal passé, donc j'espère que ce petit trajet est mieux déjà. Eh bien, écoute. Je suis à 46% de batterie. Est-ce que non. Je sors déjà la batterie au cas où comme ça? Je pense, ouais. Ça, c'est 2 secondes. Histoire qu'on vous perde pas, ça serait dommage. Alors, je. Ah, je suis là. Comment dire? La première fois que je suis venue en Suisse, c'était il y a 3 ans. 2 ou 3 ans. Et souvenez-vous, c'était. Bonjour. C'était l'hiver. Non, l'été, pardon, où il avait fait extrêmement moche. Il pleuvait tous les jours. Donc je suis arrivée en Suisse avec ma tante et j'ai dormi sous la pluie pendant un mois. C'était assez terrible. Vas-y. C'est à droite. On va espérer que ça fonctionne bien. Ça charge. Est-ce que ça charge là? Le chat, est-ce que ça charge ou pas? Est-ce que le chat est au courant si ça charge? Chargement lent, ok, faut que je change de côté. Ça charge le chat? Bon, en attendant, je vais. 100 000 qu'il a répondu ou pas? Ok, ça charge. Je vais tenter de boire l'eau. Attends, je mets juste le chargeur. Ouais, c'est fait pour. Hein. Ça charge, je crois. Hein. Attention, Ninis qui boit l'eau, on va voir ça. C'est fait pour. Y'a pas de problème. Ouais, ça charge. C'est totalement fait pour. Mais oui, Niniste. Bois l'eau stagnante. Allez, on teste. Bois l'eau stagnante. Est-ce que l'eau stagnante est bonne? Elle n'a absolument pas de goût. Elle est fraîche.
Voilà. Si je suis pas malade ce soir, Strolife. Ah, il a répondu que seuls les métaux lourds peuvent pas être filtrés. D'accord. Mais les petits déchets organiques. Ouais. Il a dit oui, il a dit ça devrait aller. Allez hop, c'est parti. Il y a que les métaux qui ne filtrent pas. Si ça marche, je vous envoie un mail. Si Ninis n'est pas en live demain, eh ben écoutez, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne plutôt. Bah, il faut bien les occuper. Ouais, bah oui. C'est surtout que si je suis pas en live demain, vous allez devoir me remplacer pour le jeu. Ouais, pour Chain Together. Alors, pour ceux qui ne savent pas, demain à 18-19h, on fait Chain Together, qui est un jeu inspiré de Only Up, mais à 4. On est enchaînés les uns aux autres. Et bah, le jeu n'est pas encore sorti, donc on a demandé des clés là. On espère les recevoir, ce serait cool. D'ailleurs, si quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait nous avoir une clé, ce serait super. On ne demande pas de thunes, hein, juste avoir les clés du jeu. Pour pouvoir jouer de Meng. Voilà, ce serait super, vraiment cool. Via Terrata Only Up, comment ça? Ah oui, via Ferrata Only Up, ouais, c'est un peu ça. Via Ferrata Only Up. Je vais tout de suite envoyer un message à quelqu'un pour voir si je peux choper une clé aussi. Franchement, ce serait trop bien. Bah, moi, j'ai demandé 4 clés. J'ai demandé 4 clés parce que le jeu peut être excellent. Je viens d'avoir un flash à qui je peux écrire. En même temps, ce live est un Only Up IRL. C'est vrai. C'est un peu vrai le cas. Que ça monte, ça monte. Ça monte. Oh, j'ai marché dans un trou de nouveau. Putain, je fais que marcher dans un trou. Ah, le chargeur est pas pratique. Attends. Hop. Le chargeur n'est pas pratique. J'espère que ça va tenir. Bon, de toute façon, après, il faudra qu'on s'arrête manger. Ouais. Je chargerai mieux à ce moment-là, je pense. Au pire. Hein. Ah, le jeu sort aujourd'hui. Bah voilà. Ah, oh, excellent. Vous êtes sûr de ça ou pas? Qui a eu l'info? Parce bien, que. Si on fait le lendemain, c'est plutôt correct. Oui, clairement. Tu en as fait de l'escalade? J'ai fait de l'escalade aussi. Toi, t'as fait quel sport? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense avoir fait toucher un petit peu à tout, mais rien fait très sérieusement. Natation, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Supporter masse, c'est un sport, non? Supporter masse, c'est un sport quotidien. Parce qu'il faut savoir que masse m'écrit tous les jours, juste pour m'insulter. Chose que je fais également, hein, bien sûr. Mais sinon, je faisais du crossfit là avant début d'année. C'était crossfit, super. Ouais. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter. Et puis après, non, en vrai, la rando. Est-ce que le speedrun est un sport? Figure-toi que j'ai fait quoi? J'en ai fait hier, avant-hier. J'étais en nage. C'était tellement difficile. Bah, en vrai. J'avais le cœur qui battait fort. J'étais en nage. Rester concentré 2-3 heures de suite, c'est dur, hein. C'était vraiment une run particulière. Non, peut-être qu'on va moins parler juste à la fin de montée là, parce que. S'il vous plaît. Ouais. On est avec vous le chat, mais c'est juste là, ça monte encore un petit peu. On vous récupère après. Bah, tu sais quoi? En attendant, je vous pose une question. Quel est pour vous le sport le plus cool? Le sport le plus stylé selon le chat, c'est quoi? J'ai lu vos réponses, ne vous inquiétez pas. Tu parles le chat, moi aussi. Vas-y. Badminton, ski, badminton. Il y a beaucoup de badminton, tiens. La pétanque. La pétanque, c'est pas du sport, ça. Patinage artistique. C'est un jeu plus qu'un sport, non? Non, la pétanque, c'est considéré comme un sport. Ok. Quelqu'un dit le sexe. C'est du sport, moi aussi. C'est du sport, effectivement, oui. La voile, le cheval à deux pattes. Quoi? C'est quoi ça, le cheval à deux pattes? Qu'est-ce que le cheval à deux pattes? Est-ce que c'est une métaphore aussi pour parler d'un truc? Mais je sais pas. Les gens, alors les gens rigolent, je sais pas ce que c'est. Si ça se trouve, c'est une position. C'est quoi le cheval à deux pattes? Le cheval à deux pattes, c'est à mourir de rire, mais je connais pas. Mais attends, je vais le googler. Vas-y, hein. Le cheval à deux pattes. Alors. Le cheval à deux pattes. Le cheval à deux. C'est des gens, ils font du cheval avec un bâton entre les jambes. Ah, mais c'est comme le Quidditch. Ah oui. Il y a des gens qui font du Quidditch de manière sérieuse, hein. Ah oui, non, le cheval à deux pattes, je trouve ça un peu risible, j'avoue. Ouais, c'est. Mais t'as déjà vu des gens qui font du Quidditch? Oui, aussi. C'est quelque chose, hein. On arrive au bout, regardez, après cette colline, c'est fini la montée normalement. Ça me fait beaucoup rire qu'il y ait une autre montée derrière. Attention, merci pour le sub, je sais pas s'il y a eu un sub ou pas, mais merci. Merci beaucoup pour le sub. Il y a une autre montée. Alors, ouais, putain, ça monte pas mal, en plus ça va. Là, je sais pas si vous voyez ou pas, mais là, ça monte pas mal quand même là-bas. Hein. On arrivera sur une station de ski en fait. Ouais, on est clairement sur une station de ski, oui. Salut César, comment tu vas? Du coup, tu fais du Chain Together demain. Bah, on va tester, ouais.
Et je pense qu'on a le potentiel de faire un stream exceptionnel. Garder son calme sera un challenge. Oui. Vous êtes où? Est-ce que tu te rappelles où on est? Tu veux expliquer toi ou pas? Nous sommes limitrophes au Valais. Ouais. Pas très loin d'un village qui s'appelle Villars, je crois. Ouais, vers Villars les uns, pas trop loin. Vers Villars. Nous avons commencé notre randonnée il y a quelques kilomètres au niveau du... Lac des Chavonnes. 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 Dans lequel tu as mis les pieds. Dans lequel j'ai été faire trempette, en effet, suite à une ouverture de bouche un peu trop intense de ma part. En gros, pour ceux qui ne savent pas, Nini t'a dit, si Général Mas offre 10 subs, je vais dans l'eau. Et Général Mas, évidemment, se BG à faire 10 subs. Je ne m'y attendais pas. What, vous êtes à Hervé? À Hervé? Non, Hervé? Non. Enfin, je crois pas qu'on est à Hervé. Il y a quoi aux alentours? Est-ce qu'on est énervé non plus? Ah si si. T'es énervé toi? Ah de ouf. Non mais c'est tellement beau. Attends, je vous remets de la vue parce que là franchement. C'est quoi ces lignes sur la montagne? Je crois que c'est des trucs pour arrêter les avalanches. Ah. Voilà. Je sais pas si vous voyez le chat là-bas, mais en gros sur les montagnes là-bas au bout, on voit l'espèce de ligne comme ça. Et c'est des palissades de bois pour arrêter les avalanches si je dis pas bêtise. Attends, vraiment est si grand que ça, what the fuck? Alors est-ce que c'est moi qui suis grand ou toi petite? Je pense que tu es particulièrement grand. Regardez si je me mets à côté. Si on se met à côté, ça donne ça. Je lui arrive à l'épaule. Coucou. Et tu fais 1m combien? 57. 57. Moi je fais un 85 quand même, tu vois, donc... Va voir. Nous sommes pas très loin d'une station de ski qui s'appelle Glacier 3000. Ah, on est au Glacier 3000, mais oui loin. Enfin, on va pas être au Glacier 3000, mais on va être à côté, quoi. Oui, nous on va à 2 mètres seulement. Ouais, ouais, on va arriver vers la Diablerie, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, les Suisses, hein. On arrive à la Diablerie, là, du coup. Voilà, pour donner une petite idée d'où on est. Je vous remets la vue. Est-ce que c'est beau? Ah, Celtic, il connaît, apparemment. Romain le Titan. T'as vu Attaque des Titans ou pas? Tu me poses la question? Bah, je sais plus, moi. C'est le meilleur animé de tous les temps. Ah, c'est un des meilleurs, on est d'accord. Ah, en termes de scénario, c'est le meilleur. Ça ne charge plus, ça recharge. En termes de contrôle de son scénario, c'est vraiment incroyable. Moi je pense que les gens qui disent que c'est surcoté n'ont pas de goût, ou alors veulent juste aller à l'inverse de tout le monde pour faire genre. Moi je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est pas possible de dire que c'est pas bon. Merci Spidan, il nous dit bonne rando, ça va être ressourçant. Ah, avec plaisir. Oui, pour moi c'est un des meilleurs animés que j'ai vu, vraiment. Ouais. Et si tu dois avoir un top 3? Top 3 animés? Ouais, un peu non exhaustif, tu mettrais quoi? Je mettrais Hunter x Hunter en premier. Ok. Bah, d'ailleurs, j'ai des tatouages inspirés d'Hunter Hunter, tu vois. Ouais. Que je pourrais montrer après. Ça va le téléphone là ou pas? Oh non, connexion. Ah, il n'y a plus de connexion? Ah merde. Il faut vite qu'on quitte. Pour toi, je suis en 5G là. Hein. Non, mais c'est à mon avis parce qu'on a. Mais je suis en 5G là. Allô? Allô, allô? Quand on a plus de quoi, il faut vite s'avancer justement. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je. C'est bon? J'ai le stream. Hein. Ah, donc ça bug ou ça n'a pas bug? Moi, j'ai le stream. Ça bug ou ça a pas bug, je sais pas. Non, non, y a rien. C'est revenu, ok. Bon, tant mieux. Ça a bug, mais ça va là, ok. Ouais. Mais on est passé à côté d'une petite colline, c'est peut-être à cause de ça. C'est sûr. Ça bug deux secondes. J'ai même pas eu de bug. Bon, ça va. En tout cas, ça rend très très bien, hein. Regarde. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est très beau. Du coup, oui, je disais. Premier animé préféré, c'est Hunter x Hunter. Lilo, arrête. Pourquoi? Attends, Lilo, vraiment, chaque fois qu'elle voit un caca, elle se roule dedans. Hein. C'est très instinctif chez le chien. C'est. Bah pourquoi pas, hein. 5G, faut avoir la 5G, Romain. Bah, j'ai la 5G. Ça lagouille deux secondes, mais là on est bon du coup. Doucement, vous avez vu où on est, c'est déjà merveilleux d'avoir la 5G. Hein. Ouais, je sais pas si vous réalisez qu'on a la 5G où je suis quand même. Hein. Je sais pas si vous réalisez quand même. C'est quand même assez fou. Donc oui, Hunter x Hunter, en deux, je mettrais Full Metal Alchemist. L'original, on est ouais. D'accord. Oui, le Brotherhood, ouais. Et en trois, je mettrais. Attaque des Titans. Mmh. Ok, j'ai pas vu Hunter x Hunter. Mais tes deux autres sont aussi dans mon top. Attends, mais ça bug encore là? Ça bug ou ça va là le chat? Pas de bug de mon côté. Pas de bug, c'est vrai que t'as live donc tu peux voir en fait. One Piece supérieur à tout, ouais. Non, One Piece c'est trop long. Et... Non, alors One Piece en manga c'est incroyable. Ouais. En animé c'est pas bien. Ah, c'est pas bien quand même. En animé je trouve ça vraiment pas très bien, ouais. Mais en manga c'est incroyable. Ah, il y a MK8 qui vient d'arriver, bonjour. Bonjour MK8, comment ça? Il est arrivé où? Bah là. Dans le chat? Dans le chat. Ah bonjour MKBit. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On fait un test de latence juste pour voir si on est en live ou pas. Enfin genre vraiment en live. Vas-y, on va faire un truc. Vas-y. Je vais vous dire le mot.
cuillère, et quand je dis cuillère, vous écrivez cuillère, ok? Arthur, pardon. Ah, tu es curieux. Je vous laisse commencer à écrire, et dès que je dis cuillère, vous écrivez, ok? Attention. J'ai déjà eu un cuillère, là. Cuillère! Non, mais écris en avant, en avance. Ah ouais, ils écrivent en avance. Vous écrivez en avance! Tout le monde écrit cuillère. Non, ça va, y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a de délai. Non, il y a quelques petites secondes, ça va. Vous êtes tombé sur des abonnés lors de la randonnée? Non, je pense pas qu'on en verra, là. Ça serait quand même très très étrange. Je pense pas que nous verrons des abonnés ici. C'est déjà compliqué de se croiser à Paris, donc c'est pas ici que ça va être pratique. Hein. Cuillère! Arthur! Cuillère! Arthur! Bah, tu sais quoi, je vais dire quelque chose. Kaamelott, je trouve ça un peu surcoté. Oh, tu le penses? Ouais. Je pense que c'était beaucoup mieux en format court et que le format long est pas si fou. Ah, tu parles du film, du coup? Le film, j'ai pas trop aimé, ouais. D'accord. Mais moi, n'étant pas une fan hardcore du tout de Kaamelott, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont très drôles. L'humour de base, l'humour général est vraiment très très bien fait. Mais il y a des épisodes qui me faisaient pas marrer, il y a des épisodes qui étaient bof, quoi. Ouais. Mais en général, vraiment de manière générale, c'était très très bien géré. Mais en tout cas, le film, j'ai pas trop aimé. Ah, ça rebug? Écrivez pas fourchette s'il y a rien, vraiment. Ah, cuillère, merde, ça bug. Pourtant, je suis toujours en 5G, c'est bizarre, hein. Non, vraiment, toi, t'as pas de bug? Non, non. Arrêtez de nous faire des trolls. En fait, c'est juste les gens qui buguent chez eux et qui nous trollent, je crois. Mais bien sûr. Ça te va, on monte là-haut et on... là-haut? Je pense, ouais, que ça peut être très bien. Ça peut être pas mal, hein. Voilà, la montée est pas mal, là. Là, je pense que tu peux monter, là. Tu peux montrer ce qui nous a... Ah, là, regardez la montée qu'on va se taper. Je sais pas si on voit bien en live, mais... Attendez, hop. C'est là-bas. Là, voilà. Vous voyez, si je monte comme ça. Voilà, donc là, ça, ça a pas l'air, mais ça fait une petite montée quand même là. C'est... Il y a de la neige. On va passer à côté de la neige. Tu veux aller te mettre dans la neige? Bien sûr que oui. Enfin, pour 5 subs, je me mets dans la neige. 5 subs, Nini se roule dans la neige. Ah, et 5 subs de plus, je me roule dans la neige aussi. J'avoue, j'ai dit que j'allais faire juste comme ça avec plaisir. Hein. Ah, pardon. 5 subs. Vous avez entendu le chat? 5 subs pour une roue dans la neige de chacun. Est-ce que vous avez envie qu'on se roule dans la neige ou pas? Ah bah il y a eu 5 subs je crois, je sais pas de qui mais merci beaucoup. On a eu 5 subs déjà. Oh il y a Darky. C'est peut-être Darky d'ailleurs, je sais pas. Bonjour Darky. Bonjour. C'est qui a fait les 5 subs? J'ai pas les infos. Mais merci. C'est Darky du coup, je crois que c'est Darky. Merci Darky pour les 5 subs et je crois qu'il y a eu 5 autres subs. Ah non c'est Darouk. Non c'est Darky, j'arrive pas à lire. Go sauter sur la neige. Il y a quelqu'un, c'est de Darky on me dit. Darky, merci Darky du coup. Sans doute. Merci beaucoup Darky, c'est adorable. Il y a quelqu'un qui a dit 500 subs et on va vivre dans la neige. On prendra de l'acier galvanisé. Wow. Yes. Tu sais que j'ai jamais vu cette vidéo d'acier galvanisé. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment drôle. Salut Clarinette, salut à toi. C'est vraiment drôle. Disons que c'est... parti d'un truc un peu what the fuck juste comme ça, ça a tellement fait le buzz que maintenant ils sont dans la surenchère. Ah ouais mais c'est trop, des fois c'est trop, c'est comme le poteau bleu, il y avait trop aussi. Ah j'ai pas suivi ça. Le poteau bleu c'est juste un mec qui a dit genre venez on vend ce poteau connu, c'est un poteau bleu. Vous allez sur toutes les vidéos et vous dites vous connaissez le poteau bleu. D'accord. Et voilà. 5 subs et vraiment faire un rack d'acier galvanisé. Ouais, ouais c'est ça toujours va. Plus drôle que le mur porteur. Il y a de l'eau stagnante là-bas si tu veux remplir ta gourde. Non ça va. Tu veux pas? Non elle est pleine, elle est pleine. Beaucoup de Vickies. Alors, est-ce qu'on... Je peux en... Oui, on peut y aller dans la neige, là. Oui. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Donc, Nini saute dans la neige. Il y a eu les... Je sais pas s'il y a eu encore 5 sables ou pas pour moi. Je pense que plus que de la neige, il y a de la glace. Donc, sauter dedans, c'est peut-être un peu... Mais tu dois te rouler dedans, en tout cas. D'accord. Il y a eu la deuxième fois, les 5 sables? J'ai pas vu. Bah, tu vas le faire aussi, hein. Ouais. Attends, mais comment on traverse, là? Aucune idée. Attends, je vais passer en caméra devant. Coucou, Erilos. Merde, mon chargeur s'est débranché. Bon, de toute façon, quand on mange, je pourrais bien le laisser, ça ira. Allez, je suis désolé, je branche juste le chat. Ça charge le chat, là, c'est bon? Vous voyez que ça charge? Le chat? Ça charge, parfait. Attends, comment on traverse jusqu'à la neige? Attention, c'est de la neige galvanisée, apparemment. Faire attention, hein. Je pense, regardez, il y a la neige plus haut aussi là-bas, on pourrait y aller, je pense, ce sera plus facile. Ouais, ce sera plus facile, je pense, non? Comme tu le sens, on peut descendre alors. Il y a une rivière quand même, on va faire gaffe. Hein. Ouais, mais elle est
Ouais. Alors on descend. L'aventure. La neige c'est procédural. Oui, on est dans Minecraft. Nous sommes totalement dans Minecraft actuellement. J'ai beau avoir fait un tournoi Minecraft, j'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire. Procédural, c'est que je crois que ça se crée au fur et à mesure que tu explores. Oh. Je crois que ça veut dire ça. C'est Diablo Red totalement. Et il y a des gens qui reconnaissent, incroyable. Ça donne trop envie de faire une randonnée. Bah, je vous le répète, mais en gros, le but, ce serait vraiment de faire une petite... Bah, c'est sympa, c'est rigolo, donc si vous appréciez ce contenu, bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et pour les prochaines, j'essaierai d'avoir peut-être des micros, un sponsor, ça pourrait être sympa aussi. Genre, on peut peut-être faire un truc dans un hôtel, je sais pas, voilà. Lilo, dans l'eau. Ouais, très très sympa. Et c'est vrai que là, avec cette période d'examen, ça peut permettre à tout le monde d'avoir une petite bouffée d'air frais. Il fait pas beau partout non plus. Ah merde, ça bug. Ça bug un peu, avançons. En fait, ils discutent bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, t'es sûr que tu veux traverser là ? Non. T'es sûr que tu veux traverser là ? Ça bug là sur le live ou pas ? Ça bug depuis une minute apparemment. On est dans une cuvette ? Ah oui, d'accord. On vous a récupéré ou pas ? Est-ce qu'on vous a récupéré le chat ? Ça bug depuis... Ouais, de mon côté... Ça revient gentiment. Ah, je crois qu'on les a récupérés. Désolé pour les petits bugs. Enfin, je vois aussi si je peux avoir un truc pour avoir une connexion plus stable. Tu penses à un pocket wifi ? Ouais, une pocket wifi, un truc comme ça. Il y a un décalage ou pas ? Est-ce qu'on vous a récupéré le chat ? Attends, je vais faire un test. Est-ce que vous entendez ça ? Quoi coubé ? Pour moi, il y a un gros décalage. Quoi coubé ? Merci. Je vois des appareils dans le chat, c'est que ça doit marcher. Ok, très bien. Salut Yumzizi. Je trouve très apaisant. Ah, j'ai pas eu le temps de ton... Alors, je suis désolé Yumzizi, j'ai pas eu le temps de voir la fin de ton message parce que ça défile un peu vite. Et bienvenue. Ah, Yumzizi me dit. Bonjour, je découvre à l'instant la chaîne et je trouve très apaisant le contenu que vous proposez. Merci pour cette dose de soleil et de verdure que vous nous transmettez. Ça fait plaisir de voir autre chose que la ville. Eh bien, merci à toi, c'est trop gentil comme message, c'est super gentil. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. C'est cool, vraiment. Après, c'est l'idée, hein. Faites sortir vos gamers de leur bureau. Exactement. Mais je vais en faire sortir d'autres, hein. Faut pas s'inquiéter, je vais en inviter d'autres. Pourquoi ils disent malheureusement oui ? C'est quand je pose la question si ça lag pas, c'est ça ? T'imagines ? Ça manque de bob fleur. J'ai un bob fleur aussi. Je pourrais le mettre la prochaine fois, pourquoi pas. Oh, mais il est bien mon bob, non ? Un stream rando, un bob différent. Il est bien mon bob, non ? Sympa ton bob, merci Glourki. À chaque fois que tu fais un stream rando, tu changes de bob. C'est un stream un bob. Ouais, non mais grave. Je pense que ça peut être sympa. Je kiffe le concept, bah c'est très gentil. Ça fait combien de temps que je suis en live déjà ? C'est un petit moment, hein ? Alors, ça fait 1h23. Ouais, c'est déjà une petite... 1h23 déjà, c'est pas mal, hein ? Ouh. J'aimerais bien qu'on arrive en haut. Alors, la neige est juste de là. Cette montagne pour vous montrer la vue. Regardez. Incroyable. Et la neige est juste là. Donc il faut qu'on ait dans la neige là. T'es prête ? Ah mais je suis plus que prête. Regarde, je suis déjà là. Je préfère la fumée, les voitures, les embouteillages. Chacun son truc. Hein. Salut, on sait rien. Comment tu vas ? Mais là, ouais, on voit que c'est une petite montée là ou pas sur le live ? On est où ? On est au Diableret. On est au Diableret. Ouh ! Hop là ! Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces deux-là ! C'est la matraque qui nous dit ça. Ah, la matraque ! Monsieur Matraque ! Alors Lilo, faut que t'avances s'il te plaît. Du coup, t'allais où la prochaine fois ? Je ne sais pas encore. Je regarde un peu à chaque fois, ça dépend de la météo. Ouais, il y a plein de boue là. La matraque, je ne sais pas. Je pense que tu viens d'arriver, mais tu as raté. Ah, il y a eu des sacrées chutes, hein. Une chute. Il y a eu des sacrées chutes quand même. Deux chutes. Tellement incroyable. Merveilleuse de Romain. Tu as roulé. Romain a roulé. Ouais, j'ai roulé dans la boue, hein, vraiment. C'était génial. C'était quelque chose. Ninis, tu vas en premier ? Ouais. Mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour Niniste qui va aller se rouler dans la neige. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien ? Elle est bien. C'est la speedrunneuse de Mario avec toi, totalement. Exactement, c'est moi. Qui c'est qui demande ? J'ai pas eu le temps de voir le pseudo, je suis désolé. Et dans 5 minutes, Romain va yodeler.
Ça va être douloureux, je crois qu'elle est dure. Mais saute pas dedans, juste pose-toi dessus et fais l'ange. Et on voit Lilo, Lilo qui n'a absolument aucun souci. Oh ! Ah, c'est froid ! Ah bah tu m'étonnes, oui. C'est froid, ah. Ça va, Niniste ? C'est très très froid. Ça va, Niniste ? Allez, j'y vais aussi, j'y vais aussi. Oh là là. Ça va, Niniste, ça froid là ? Oh là là, c'est très froid. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Je suis la fière, mais en vrai. Je mange juste. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'on ait pas assez de batterie parce que le chargeur tient pas très bien. Alors on va se dépêcher de monter là-haut. Allez, Romain. Ça fait du bien. Il fait chaud, il fait beau. Ça fait vraiment du bien. C'est très très froid, mais ça fait du bien. Venez, Jean. Ah ouais, je récupère un peu de glace et je lui mets dans le t-shirt. Ah attends, oui, une fois qu'il est réchauffé. Yes, il l'a fait. Oui. C'est vrai que c'est un peu aléatoire la neige ici quand même. C'est marrant. Le chien, il est à fond par contre. Oui. Le bonheur. Elle a déjà vu la neige, hein. Le bonheur. Oui, elle adore la neige. Je prends juste un petit peu d'eau. Regardez-moi ce bonheur. Alors, ça fait du bien ? T'as pas un peu envie en vrai, de retourner ? C'était pas si mal, mais non. Ah ouais, moi j'aime bien. Regarde Lilo, elle a pas. C'est une bonne idée. Le petit chien. Fais l'ange dans la neige, Romain. Tu as fait l'ange dans la neige ? On voit à peu près, on devine. Faut dire quand même que c'est pas de la poudreuse non plus, hein. C'est un peu de la glace. Lilo, elle vit sa meilleure vie, on est d'accord. C'est de la glace en train de fondre et Lilo vit sa meilleure vie, elle adore la neige. Trop bien. Bien là. J'avais chaud, ça fait du bien. Tu comprends ? Bien sûr. Hop là. On l'a fait le chat. Tiens, c'est toi qui as récupéré ma bouteille ? J'ai mis dans mon sac, ouais. Ah, c'est ok ? Parti. Bon, okay. On vous propose le chat. Maintenant, on fait la montée. La montée, elle est vraiment, vraiment colossale. Ah, la montée est pas mal là. Et après, on se pose en haut, on mange. Comme ça nous sera plus reposé et on pourra plus facilement discuter aussi. Puis on part sur ce plan, je pense. Allez. Vraie question, le chat. Est-ce que vous préférez la vue où on vous montre un peu le paysage ou vous préférez avoir nos visages ? Répondez sincèrement. Hein. Quelqu'un dit la neige dans la gourde. Ah, c'est bien ça. Je vais essayer. Ah, attends, est-ce que je suis encore en live ? Ah non, c'est bon. Ah ! Niniste, 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 niniste. Ça va ? Il réagit pas. Il ne réagit pas. C'est la dernière fois que je t'invite, niniste. Oh non ! Les gens disent les deux. Ah, mais niniste ! Mais là, attendez, mais c'est pas possible. Il y a de la neige. Qui fait des batailles de boules de neige en juin? Mais Niki, ça va pas, ouais. Voilà. Je m'enfuis. Je m'enfuis. Je cours. Je cours, je cours. Oh, je vais laisser Niniste derrière. Je vais monter tout seul le chat. J'arrive. Non, adieu Niniste. Adieu Niniste. Non. On la voit même plus à la caméra. Tu la mets trop haute. Headshot. Et je me suis pris un headshot en plus à part ça. Hein. Je me suis vraiment pris un headshot. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci pour le sub, Palm. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pas mal de décalage par contre. Why are you running? On va reprendre le chemin pour éviter d'écraser les fleurs. Ouais. Il y a des gens. Oh. Allez, jusqu'en haut. On peut le faire. Ça va le faire. Je vous mets pour vous voyez un petit peu. Là, c'est la montée. Et en haut, on pourra manger. Heureusement, il va pas lire ma blague, désolé. Je crois qu'on a eu vraiment du délai sur le live à cause de la petite de bug qu'il y a eu. C'était quoi la blague, Ricky ? Je sais pas. Niniste va faire un BLG pour monter. Yahoo ! Yahoo ! Ya 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 ! Coucou Iris, comment ça va ? Oh. Tu sais que je te gratte de partout à cause de la boue. Ouais ? Ça me gratte de partout là. On se rincera. Et peut-être aussi que la neige fait que je me gratte un petit peu. Non, pas la neige. Oui, un petit peu. Non, non, non. C'est sûr que non, pas la neige. Si, si. Excuse-moi, j'essaye de rattraper le chat. Attention au tic. Oui, il faudra qu'on fasse gaffe à ça en rentrant après. Tu sais que j'ai un pote. On va retourner sur le sujet. Hein. Uh-huh. J'ai un pote qui a eu une tic sur une couille une fois. On retourne sur le sujet. Mais attends, et attends. Je vais le mettre sur mon visage pour raconter ça, mais... En gros... On était à la montagne, on faisait un enterrement de vie garçon. Ouais, oui, ça va aller. On faisait l'enterrement de vie garçon, ma pote. Et l'après-midi, on était faire un accrobranche. Et en gros, le soir, on rentre. Et il dit, les gars, j'ai une tique sur la couille. Et j'ai un pote qui est médecin. Et du coup, il fait, Simon, tu peux venir m'enlever la tique, s'il te plaît. Non, du coup, c'est un autre pote qui a enlevé la tique sur la couille de mon premier pote. C'était quelque chose, là. L'amitié.
L'amitié à toute épreuve. Ah, ça fait les tibias, là. Attends, je vous... Non mais là ça monte. Hein. Ah là ça monte. Hein. Je sais pas si on se rend compte sur live, mais là ça monte. Hein. Oh. Ouh. On va moins parler. Allez, on peut le faire. Je vais au sommet, après je filme Ninis qui monte, ok? Ça te va, Ninis? Tiens, tiens, enfin réussi. Un sommet Ninis. Enfin. Enfin, on est entre nous. J'ai plus le gremlin qui me suit. Donc là, si vous voulez parler de Ninis, sans qu'il l'impeinte, c'est le moment. Hein? Non, non. Non, non, je ne chuchote pas. Je parle au chat. Ouh. Ouais, ça monte. Hein. Ninis, c'est Ninis, oui. Oh, j'arrive plus à parler au chat, là. Oh. Ah. Ah. Ouh. Tout de même, hein. Ah. Ça va aller. Ça va, Ninis? On notera que Lilou m'accompagne moi et pas Ninis. J'ai donc un nouveau chien. Ninis repartira toute seule. Oh. Ah. Ah. On est presque au bout. Et si presque. Désolé pour mes gros bruits là. L'essoufflement. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de la force au chat là? Pamplemousse s'il vous plaît. Non! Je ne souffle pas. Je suis en pleine forme. Ouh. Pamplemousse le chat. Pamplemousse. Oh. Et je m'arrête pas. Hein. L'important c'est de pas s'arrêter justement. Et jusqu'au bout. Si on fait une pause avant le sommet, c'est là où ça devient dur. Ah. Oh, par pitié, dis-moi que c'est après ce virage. Par pitié de moi que ça presse virage le sommet. Allez. Allez, Romain. Ça va aller, Ninis? Ouh. Putain, c'est pas du tout le sommet. Oh non, c'est pas du tout le sommet. C'est pas du tout le sommet. Oh merde. Oh merde. Oh, je vois la cabane, faut aller, non. Salut, Fraise. Tout va bien, le chat. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ah. J'ai fait mon Fuji en septembre. Il faut se remettre dedans, là. Hein. Ça va aller. Oh. Ah, je vous jure que c'est raide. Hein. Oh. Oh mais c'est si loin. Oh c'est si loin. Avant j'étais un bon montagnard hein. Ça c'était avant. Ouh. Ça va vous? Est-ce que vous allez bien? Oh, regardez le paysage. Et la Nice, c'est le petit point derrière. A plus clarinette. Diable rêve au verger. Ça va? Allez. On y est presque là. On y est presque. Ouais, désolé pour les bruits de buffle en soufflant là. Allez, est-ce que le stabilisateur marche en fait quand on marche là? Est-ce que vous trouvez que le live est bien stabilisé? Il n'y a pas trop d'à-coups. Merci Ninis. Ouais, nickel, parfait. Oh. Ouh. Allez, presque.
Ah, celle-ci met juste là-haut. Peut-être qu'il faudrait que je chante. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, mon cœur amoureux. C'est quoi les paroles après? Oh, j'y suis presque. Oh, j'y suis presque, le chat. Je suis tout près, tout près. Oh. Oh putain. Il c'est derrière. Si je me sens là, il pleut dans toute la France. Désolé. Allez, je parle plus qu'au sommet, ok? Allez, go. Il fait chaud, il fait bon. Il fait bon, mais il fait fatigué là. On va pas mentir. Allez, dernière montée. Et on y est. Oh là, par contre, la vue qui se dégage là. Oh là 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 là. Oh, vous n'êtes pas prêt pour la vue. Hein. Je le dis, vous n'êtes pas prêt pour la vue qu'il y a. Quand on arrive en haut, le chat, je veux que tout le monde fasse waouh. Ok. Si on arrive en haut, un jour. On y est presque. C'est là. Oh putain de merde. Allez, dernière petite pause. Allez, go. Préparez-vous. 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 Oh. Attendez, je vous pose. Ah. Ouh. Ah. Ça va vous? Non, vous voyez bien ou pas? Tabino est perdu, elle arrive, vous inquiétez pas. Ouh.
incroyable le fond vert. Oui, c'est incroyable. Attendez, je monte tout autour. Là, c'est ce que je vois à 360 degrés. Il y a Ninist qui est là, regardez là. On voit l'arrivée de Ninist. Envoyez-lui de la force s'il vous plaît au chat. Envoyez-lui de la force. Ninist, 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 Ninist. On y est presque Ninist, on est presque là. Oui, Ninist. You did it. Pas évident la montée, hein. Pas évident la montée, hein. J'ai un point de côté. Ah, mais pose-toi deux secondes, là, t'inquiète. Hein. Ah, c'était pas évident. Hein. C'était très très difficile. Ah. C'était bien. Ah, c'était bien, mais c'était difficile. C'était bien. Oh là là. J'ai plus que 23%, j'espère vraiment que le chargeur va mieux marcher, là. Hein. Ouais. Elle a fait pipi dans la nature. On demande si t'as fait pipi dans la nature. Non, non, non. J'ai pris mes précautions avant de partir. Ah. Ça dit, on mange là, je pense, non? Putain, et l'image là, elle est incroyable dans le chat. Oh, viens voir l'image comme ça rend là. C'est incroyable. C'est ouf là, non? C'est pas mal, hein? Ça fait fond vert, c'est incroyable. Ça fait fond vert, hein? Ah, oh, putain. Mais en vrai, moi, je vais dire quelque chose. Je pensais jamais avoir l'occasion de faire ça dans ma vie et d'être payé pour, tu vois. Dans le sens que ce soit mon boulot de monter comme ça et de pouvoir vous faire profiter, je vais pas vous mentir, ça me fait giga plaisir là. C'est clair. C'est incroyable. Beaucoup de travail pour arriver à ça quand même. Beaucoup de travail, mais un peu de chance aussi, on va pas se mentir quand même. Oui, on en parlait hier de toute façon. Bah, de toute façon, être streamer, c'est... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et un petit peu de chance qui te permet d'avoir de la visibilité. Ouais. Mais clairement, hein, être streamer, c'est aussi de la chance, on va pas se mentir. Hein. On va pas faire genre, on a fait que du travail, c'est aussi... Un kiff. C'est aussi de la chance, quoi, clairement. Ah oui, oui. C'est trop cool comme concept. Merci, Kiwind, c'est gentil. C'est quoi l'objectif? Bah, c'est de faire un tour. Donc là, en gros, on est au point le plus haut de la balade. Donc après, ça va être que de la descente. Et ça va être plus simple quand même, je pense. C'est incroyable, la profondeur du champ en fait. Je me lève deux secondes juste parce que en fait, vous voyez le sommet des montagnes, vous voyez pas en bas. Mais c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie. Oh, non mais attendez, est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de Ninist là? Je te jure, c'est... Alors là, moi j'utilise le réseau du stream, Guilas. Alors là, non mais attends. Vas-y, tourne-toi Ninist. On l'a fait. T'as ta nouvelle photo de profil là, hein. T'as ta nouvelle photo de profil. Ça fait pas très stream du coup. Non mais bon. Là, regardez ça, non mais froid. C'est fou, il y a des cascades, je sais pas si le chat se rend compte. Il y a des cascades, tu vois. On voit des petits filets. Ouais, on voit des cascades plus loin. Là où il y a les glaciers qui fondent en fait. Enfin, les glaciers. Quelqu'un demande est-ce que tu peux faire la roulade de Mario. La roulade de Mario? Ouais, il fait des roulades Mario. Tu fais des roulades? Attendez, j'ai mon cerveau là qui est au ralenti. Il fait des roulades Mario? Est-ce qu'il fait des roulades Mario le chat? Mario Odyssey. Il fait, ouais, Mario Odyssey, c'est vrai. Je sais pas faire de galipette, c'est maintenant que je vous l'annonce. Vas-y, allez. Moi je peux faire une galipette aussi. Vas-y. Je fais moi une galipette. Vas-y, fais-toi une galipette. Moi je crois que je sais plus faire ça depuis que j'ai 5 ans et demi. Ça charge pas très bien. J'espère que ça va tenir. Ça charge pas parce que ça use plus de charge que ouais, ça prend. Ça prend plus de charge. Ouais, peut-être que le stream sera un peu plus court. Ce que tu peux faire, c'est baisser la luminosité de ton écran si c'est ça, pas déjà fait. Ça c'est pas con, ouais, il faudrait que tu regardes toi le chat du coup. Tu mets ta luminosité au minimum. Dans le chat, vous allez un petit peu bah c'est où? J'en sais rien. Oh mon dieu, je vois toutes ces conversations. Oh mon dieu. Ah, ça ne veut pas. Il est automatique, il faut que tu le mettes en manuel. Je sais pas où c'est. On vous voit plus le chat, hein, si jamais, désolé. Tu vois, t'as plein de trucs que tu peux enlever. Mais c'est cher, tu peux l'enlever. Oh merde. Oh non, 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 enlève rien. Ok, annule. On est toujours là. Oh merde. Ah, le live. Mais vous êtes est-ce là. Qu'on est là encore là? Qu'est-ce que t'as fait? Oh mon dieu, qu'est-ce que je lui ai fait faire? Non, on est. Vous êtes là? Ça marche toujours là? Oui, oh putain. On n'arrive pas à baisser la luminosité de l'écran. C'est ça qui te ferait économiser plus de batterie. Ah voilà, attends. Attends, t'as vu, non. Ok, j'ai baissé là. Ok, bien joué. Tu veux pas mettre ça dans ta poche pour pas t'embêter avec? Non, parce qu'il faut que je tienne, c'est en haut. D'accord. Ok. Bon, on voit encore un petit peu le chat, c'est moins lumineux là, on est d'accord. Je m'occuperai du chat en fait. Je fais la roulade? Ah oui. Mesdames et messieurs, préparez-vous à une roulade incroyable. Tu veux te mettre où? Fais attention de ne pas te mettre dans un ravin. Celle-là. Allez, ici, petit poil là. J'arrive quand même mes lunettes. Ok. Précautionneux. Non, il fait pas de bruit quand il fait une roulade.
Il fait pas genre wouhou. Ouais, ça, faut que tu branches et que ça en gros. Attends, tu peux m'aider à. Ouais. Appuyer sur le truc. Il faut que ça soit coincé en haut. Bon, d'accord. Haut. Attention. Ok. Il wouhou le fait. Wouhou. Wouhou. Ça m'a mis le tournis. Je pense que vu l'effort qu'on vient de faire, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan là. On mange. Ouais. Je vous rends à Monsieur Jacques. C'était un fail hein, cette roulade. Non, elle était très bien. C'était un giga fail hein, cette roulade. Non, elle était très bien. Non, c'était un giga fail cette roulade. Vu la montée qu'on vient de se faire, crois-moi, c'était très bien. C'était un giga fail la roulade, le chat. En tant que parfaite touriste, je m'en vais faire une photo. Vas-y. Moi, j'ai déjà pris à manger. T'as bien raison, Ninist. Par contre, Ninist, je te jure, quand je t'ai filmé, ça donne quelque chose de pas mal. Hein. Ouah. On mange ensemble, le chat, vous êtes chaud? Roulade 5 sur 10, merci. Est-ce que vous êtes chaud à manger ensemble, le chat? Je sais pas si vous avez déjà mangé ou pas. Ah. Le visage est incroyable, vraiment. Le paysage ou le streamer? Le paysage ou le streamer, le chat? Hop là, je sors tout. C'est cool, ça serait moins lourd aussi à la descente. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et si tu veux voir le chat, du coup, il est là. Tu veux te mettre ici? Ah ouais, on a le chat là, parfait. T'as beaucoup de batterie, toi? Non, pas tant que ça, mais ça. 55, mais ça va. Ça tiendra, ouais. C'est plus important d'avoir ton téléphone. On vous a le chat, du coup, on vous a ici, ok? On m'attend Elden Ring. Allez. Est-ce que tu vas rejouer à Elden Ring ou pas? Pour le moment, c'est peu probable. Il faut savoir que Nini, ça avait fait du Elden Ring, mais elle avait pas fait trop longtemps. Salut, Coralouze. J'ai essayé le jeu, en fait, je le connaissais pas de base. Mais t'avais bien aimé, non? J'avais beaucoup aimé le côté tryhard, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de me lancer dans un autre jeu. Le paysage, ton gros front, on le voit tous les jours. Waouh. Je le prends personnellement. Waouh. Bon, par contre, c'est pas le Mont Blanc. Mais on peut peut-être. On a le Mont Blanc, c'était pas par là. Ouais, on pourra peut-être voir le Mont Blanc. Non, c'est pas lui là-bas. On voit le Mont Blanc. C'est lui là-bas. Hein. Est-ce que vous voulez voir le Mont Blanc, le chat ou pas? Je sais pas si ça se verra avec la caméra. Attends, mais c'est vrai que ça rend trop bien en fait. Hein. Ça rend vraiment trop bien, je m'en rends pas compte. Hein. Ça rend super bien. On vous montre le Mont Blanc après manger, ok? En mais fait, il est un peu caché en fait dans une brume parce qu'il est très loin, mais oui, il est reconnaissable. On le voit. Bah, la paix. Aïe! Ah, tu t'es touché, t'as touché ça? Non, je crois qu'il y a un truc qui m'a piqué. Il s'est fait mordre par un serpent. Plus jamais je fais le randonnée, plus jamais. Plus jamais. Bon appétit. Bon appétit tout le monde si vous mangez aussi. Ok, mais maintenant je vais poser une question sérieuse au chat. Oh. Est-ce que après avoir vu ce qu'on vient de vous montrer, vous osez encore dire que la plage est meilleure que la montagne? Je peux. Oui. J'ai pris un apéro. T'as pris un apéro? Tu connais ça? On mange ça au Japon pour l'apéro. J'ai cru que t'avais pris une bière, je t'en mets genre quoi. On mange ça à l'apéro au Japon. Eh bien, je goûterai avec plaisir. Vous connaissez? Et est-ce que la plage est mieux que la montagne, c'est ça? Oui, mille fois. Vous dites encore team mont... Non, mais c'est... Ah, vous êtes team plage? Il y a des gens team plage, hein. Oh, mais il y a des gens team plage, c'est pas possible. Moi, je suis choqué de la capacité en bien. On ne voit pas très bien. Je peux montrer le truc. Voilà. Comme ça. Est-ce que c'est le bon plan d'avoir le soleil dans le dos? Oh, 18% ça charge plus, non. Ah, 18% les gens. Oh non. Il faut vraiment que ça reste branché, sinon c'est la merde. Hein. Le chat, on va vous perdre, pitié non. J'ai pas envie que le live s'arrête, c'est trop cool. Mais c'est trop bien ici pour que ça s'arrête. Mm-hmm. Bon, en vrai, on a déjà fait presque 2 heures, c'est ok, tu vois, mais ça me ferait chier que ça s'arrête maintenant, vraiment. Oui. C'est à quelle heure là? 14h, faudrait au moins que ça tienne jusqu'à 15h, c'est cool. Il y a que 14h? Mm-hmm. Montagne. C'est branché, là. Mm-hmm. Non mais montagne, montagne, la mer en été, vous allez pas me dire que vous aimez, c'est invivable. Vas-y, les défenseurs de la plage. Donnez-nous vos arguments. Les défenseurs de la plage, qu'est-ce que vous aimez avec la plage? On a une batterie extrême, mais elle charge pas très bien. Elle est un peu capoute, malheureusement. En fait, le stream prend plus de batterie que ce que la batterie est capable de donner. Voilà. J'aime pas le sable, c'est un bon exemple. Ouais. T'as pas rechargé la cam, j'ai tout rechargé à fond, j'ai une batterie externe, mais le câble est un peu pété et ça se débranche des fois. La plage où elle a 22 pas à 8. Ouais, d'accord. Mm-hmm. Mais je suis pas sûre que ça soit non plus un argument de ouf parce que si tu veux te baigner juste dans une eau à 20 degrés, bah il y a des tas de lacs qui sont très très bien. Hein. Et ici au moins l'eau n'est pas salée. L'eau je suis désolé de le dire, mais l'eau salée c'est horrible, c'est infernal. Je déteste ça vraiment. Mmh. Tu sais qu'il y a des gens qui adorent, ils vont se baigner, ils adorent la sensation du sable et du sel. Ils boivent l'eau. Non, peut-être pas. Non, mais ils aiment, genre vraiment, ils aiment la sensation du sel et du sable, quoi. C'est fou, d'accord. Non, moi j'aime pas, ça pique les yeux, ça pique les yeux. Ben oui. Je vous vois très très mal. On va faire comme ça. Voilà. C'est grâce aux gens qui aiment la plage que la montagne n'est pas surpeuplée. C'est vrai, c'est un très bon argument, ça. Putain, c'est pas con, hein. C'est pas con, ça. C'est le meilleur argument qui a été donné jusqu'à maintenant.
tu nous entends plus là. L'eau à l'huile supérieure, comment ça l'eau à l'huile? Comment ça l'eau à l'huile? Mais moi je te dis, pour moi les vacances de rêve c'est ça, tu vois. Tu fais une journée en montagne, marche. C'est bien d'habiter à côté de toi. Le soir tu es en chalet, tu te raclettes avec vin blanc. Ah ouais, ça vend du rêve hein. Ah, je crois que t'as mis pause au message. Oui, t'as mis pause. Hop là. Le truc cool à la plage, c'est les grosses vagues. J'ai plus oublié 5 ans. C'est trop beau. Merci. Il parle de nos chemins. Merci. Quelle vue, mais t'en as l'air. Hein. C'est ça. En fait, c'est la vue qu'il faut filmer, pas nos grands fronts en train de manger. Mais nos grands fronts devant la vue, c'est quand même sympa. Vous gâchez le paysage. Oh, vous êtes dans la vue. Vous n'êtes pas très gentil, on vous partage ce paysage. Déjà, on vous partage ce paysage. Alors, soyez un peu gentil quand même, s'il vous plaît. Hein. Alors, est-ce que ça charge là ou pas? Ouais, ça charge. Ça baisse, non, ça baisse tranquille, mais ça charge quand même. D'accord. Ouais, mais ça baisse dans tous les cas. Dommage. Peut-être dans l'autre sens, ça charge plus vite. On envie d'acheter des jeux. Ah, non, mais c'est un bot, je suis bête. J'étais en train de lire le message. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est quelle montagne on demande? On est Diableret. Le Diableret. C'est quelle montagne, Diableret? C'est pas le nom de la montagne? Est-ce que quelqu'un sait dans le chat quelle montagne c'est, la Diableret en fait? Moi, j'ai aucune idée. C'est le nom de la montagne Diableret, non? De ce que j'ai vu sur Diableret, Google, c'est la station de ski. Ah. Donc je sais pas. J'avoue que je sais pas. Comment ça vend du rêve? Quelqu'un sait s'il y a des vendeurs de rêves? Mais oui, regarde comme c'est beau, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y en a plus pour ça, ouais, mais je l'ai pas. Axel qui demande si on va aller au Mont Blanc. Alors non, le Mont Blanc, on le voit. C'est un peu loin. Il est de plus en plus couvert, mais il est archi loin. Ouais, le Mont Blanc est vraiment très loin, vraiment. Mais on a une jolie vue dessus. Mini installe par Pic Finder sur le téléphone. Mais après, parce que le truc là, c'est que on a plus le chat si elle fait ça. Je regarde dans la batterie, mais j'ai un peu peur d'initier. Bon, ça reste à 17% là pour l'instant la batterie. Tu sais que la luminosité est baissée là, parce qu'on voit bien le chat. Ouais, je peux peut-être baisser encore plus. Bon, sur ce téléphone, on verra plus rien. Je ne vois plus on rien. On est en Suisse, pigeon, alors du coup c'est des francs. Là je ne vois plus rien, je te le dis, je ne vois absolument plus rien. Ouais, mais c'est pas plus mal. Je crois que ça charge. Peut-être vous êtes invisible s'il n'y a pas la ministre. Il y a Verti qui demande si tu vas faire la même chose en hiver. En vrai, ce serait cool, hein. Tu loues un chalet. Ça peut être super cool. Quand tu viens de jouer un chalet, tu vas faire du ski, ça peut être trop cool, hein. Salut, MacTog. Est-ce que je suis la seule personne au monde à ne jamais avoir skié de ma vie? T'as jamais skié? Non. Mais. Je pense sincèrement que le ski est un des meilleurs sports du monde. C'est trop cool. Ah ouais? Je coupe un max de trucs sur ZFM. Là, j'ai baissé la luminosité à fond. J'ai coupé les trucs avant. Puis on va prier pour que ça tienne un max, quoi. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui n'ont jamais skié. Bah, une fois, je vous jure, le ski c'est trop stylé. J'ai peur de me casser un après, coup. Le problème du ski en fait, bah, c'est déjà ça coûte cher. C'est difficilement accessible. Mm-hmm. Et c'est pas facile au début. Genre, si tu fais du ski qu'une fois par exemple, tu vas pas forcément kiffer parce que tu tombes beaucoup, faut s'habituer. Mais une fois que tu sais un peu skier et que tu as la possibilité de le faire, c'est génial, vraiment c'est génial de fou. Est-ce qu'il y a avant qu'il y ait plus de neige? Alors ça, c'est un peu vrai. Un peu vrai malheureusement. Mais on a croisé une petite flaque de neige là, tout à l'heure on y retournera. D'ailleurs, est-ce que la montée qu'on vient de faire, il faut faire la même chose en descente ou est-ce qu'il y a un autre chemin? Je sais pas exactement par où on va passer là. Je me demande si c'est pas un chemin là-bas. Mais je pense parce que dans le l'itinéraire, il disait qu'on allait passer sur une crête. D'accord, donc ça doit être ça. Ouais. Donc, si jamais la batterie tient, je pense qu'on devrait se dépêcher de manger, quitte à refaire une pause plus tard. Mais non, le chemin là-bas a l'air vraiment, vraiment incroyable. L'escalade, moi, c'est incroyable. Moi, j'adore l'escalade. C'est les mêmes gars. Mais quel régal. Enfin, quel régal. C'est pas si bon que ça, mais juste, ça fait plaisir de manger. Mais vraiment, c'est ça. Hein. Non mais vraiment, je pense que vous allez beaucoup aimer ce qui nous attend par là-bas. Ouais. Et puis là, on verra le Mont Blanc, il sera en face de nous. Et je pense pour les prochaines fois, je rachèterai un nouveau téléphone parce qu'il faut que j'en rachète un de toute façon. Parce que en fait, c'est mon téléphone qui est cassé, le chargeur rentre plus très bien dedans. Et du coup, il faut vraiment qu'il ait une position particulière. Je sais pas si vous voyez le chat en gros, mais il faut vraiment genre que je le coince et que je le mette en haut pour que ça charge. Et c'est pour ça que du coup, on galère aussi un petit peu, c'est parce que dans la montée, quand j'essaie de charger, des fois il se débranchait. Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques soucis. Ou sinon, filmer avec une GoPro, comme ça ton téléphone, tu peux. Ouais. Il y a plein de solutions en vrai, il y a plein de trucs à faire. Je pense. Hein. Le VTT à montagne, c'est trop cool. Le vélo de descente, j'adore ça. J'adore ça vraiment. Un go prendre l'iPhone 99. J'ai plus de sub là, mais il faut pas hésiter à se faire un sub. Hein, vraiment, hein. Je sais que. Non, mais quand on a plus de sub, faut pas hésiter. Hein. C'est vraiment un petit clic et on est heureux. Hein. Salut les pirus.
Ah, mais Piru, bonjour. Bonjour. Mais c'est l'ermite des étoiles. Ah, l'ermite. Vous êtes dans quelle région? On est au Diableret, l'ermite, là. Chez les Vaudois. Chez les Vaudois. Salut, Clamello. C'est quoi pour toi un accent suisse, vas-y. La pub de Romatine. Oh, Romatine, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Ou alors le téléphone qui sonne. La publicité du téléphone, là. Publicité du téléphone qui sonne. Oh, il y a le téléphone qui sonne. Je l'ai bien fait, non? Je l'ai pas trop bien fait. Vas-y, refais. Non, je serais incapable de le faire aussi non, bien. Non, refais, s'il te plaît. Oh, il y a le téléphone qui sonne. C'est ça ou pas? C'est de la dynamite. Bienvenue en Suisse, merci Kaoru. Merci Gipstar pour le sub. C'est très gentil. C'est un accent parfait. Non, tu déconnes. Ah, bon, venant d'un breton quand même. Il faut dire un peu, faut dire ça joue le chalet. Oh. Ça c'est bien, tu veux, vas-y essaye. Ça joue le chalet. Ça veut dire quoi? Ça, ça joue ça le chalet ou bien c'est comme ça. Ça c'est quoi cet accent? Ça joue, ça veut dire ça va. Ouais. Ou bien, genre, ça joue bien, ça, ouais. Ça va quoi. Le chalet, ça va. Ouais. En fait, ça veut dire ça va. Ça joue ça va, le chalet quoi. Ou bien. Ok, ok. Hey, merci pour le train de la hype, merci beaucoup. À Pigeonours, c'est gentil. Ah bah Pigeonours, il s'est réabonné. Bien joué. Bras joué, bien joué. Bras joué aussi, hein, c'est votre suisse. T'as un roquefort par ici, Dieu. Ça va bien, le chalet ou quoi? Ah, mais quel plaisir d'être par là. Hein. T'as où les vaches de Dieu? Ouais. T'as où les vaches? T'as où les vaches? Je sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est une expression suisse, ouais. T'as où les vaches? Ok, ok, je connais pas. C'est quoi, vas-y, une expression française un peu marrante que tu connais? Alors, pour avoir grandi longtemps dans les Vosges, pour demander comment ça va, on dit « comment que c'est ?» Et quand tu vois, quand tu veux mettre un point d'exclamation dans ta phrase, tu dis « non, non, comment que c'est ?» Non. Voilà. Mais dis donc, on va se calmer un petit peu sur la picole, dis donc. C'est vraiment agressif comme accent. T'en vas pas ou bien? T'as passé la journée à prendre l'apéro? On t'a attendu toute ta soirée à la baraque? Je suis plus responsable de ça. T'as où les vaches? Ah, tu viens d'où? D'accord. Coucou Tamnouk. D'accord, d'accord. Tu viens d'où? T'as où les vaches? T'embêtes pas plus que tant. Vous aimez bien les thés, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ah, cool. En tout cas, tu es ravissant, Romain. Merci. C'est gentil. Ah, ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait plaisir. T'as où les vaches? Par contre, les Suisses ne m'en voulaient pas, mais t'as où les vaches? Je vais totalement vous le piquer, c'est génial. T'as où les vaches? C'est pas mal, hein? Mais grave. Bon appétit, bonjour, comment ça va? Ça va bien, t'as une vac? Ça va très bien. C'est où? On est au Diableret. Au Diableret. Au milieu du fin fond de la Suisse. C'est pas tant que ça le fin fond de la Suisse en vrai. Ah bah, vu la route qu'on s'est coltinée, pour moi c'est le fin fond. Hein. Est-ce que tu veux expliquer cette route un petit peu ou pas? Parce qu'en gros, une heure avant qu'on arrive déjà, on a quitté l'autoroute. Ah oui, on a quitté l'autoroute et on s'est retrouvé à un moment dans des routes où clairement, si on croisait une voiture, je ne sais pas comment on faisait. On ne pouvait pas se croiser. Il y a eu aussi des routes où il n'y avait plus de béton. C'était que du caillou. À un moment, j'ai fait demi-tour et au final, ouais. Ça a été. Et puis, c'est des routes qui enlaçaient encore et ça s'arrête jamais. Et tu vois que ton GPS, il te dit qu'il faut continuer 36 minutes encore comme ça. C'est... Ah, on était, au début, moi, j'étais en mode genre, est-ce que c'est vraiment le bon endroit où je nous ai amené là? C'est ça. C'était assez marrant. Le contraste de la météo entre là où vous êtes et chez moi actuellement. Mais attendez, en France, il fait vraiment moche là? Il fait beau chez moi, donc je sais pas. Okay. C'est quoi, c'est le nord de la France un peu qui fait moche? Je sais pas. La première ministre, c'est une parisienne et d'origine. Donc la campagne, c'est le fin fond du pays. Alors Midas, je tiens à repréciser que j'ai beau être née en Ile-de-France, je ne vis pas en Ile-de-France. Moi, c'est simple, hein. Tu vois le Mont Blanc? Ben, je suis de l'autre côté. En ligne droite, j'habite là-bas. Donc ça va. Ah non, peut-être un peu plus au sud. Est-ce que tu pourrais vivre en Suisse si c'était pas aussi cher? Si c'était pas aussi cher, genre je pouvais vivre partout? Ouais. Ouais, carrément. Les alentours de Genève, ça a l'air super. Et Genève, ça a l'air vraiment d'être une ville dynamique. Vous avez entendu ce qu'elle dit là? Vous avez entendu ce qu'elle dit? Tous les gens qui crachent sur Genève là, c'est de la merde, gna 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 gna. Vous avez entendu? Non, mais tout est relatif. Je sais pas s'ils disent que c'est de la merde parce que c'est mal. Comment dire? Mal famé entre guillemets. Bah, mal famé Genève! Bah non, ça reste moins mal famé que n'importe quel bled en France. Donc, c'est super Genève. On s'est posé au bord du Rhône, on a bu un petit cidre, on s'est baladé. On a vu le jet d'eau, on a pris un bateau hier. Oh le jet d'eau! Le jet d'eau de Genève! Incroyable! Incroyable! Je pensais pas que c'était aussi dingue. Les gens vous survendaient le jet d'eau de Genève. Ah, il est gigantesque. On le survende, genre c'est bien ou c'est pas bien? Non, ils le sous-vendent pas. Ah, souvent, ouais. Il est sous-coté. Genève, ça a l'air trop bien, Dimidas. Genève, ouais. C'est français, je t'avais dit qu'il dirait ça. Ouais, Genève, c'est français.
Eh bah écoute, ça, c'est comme si je disais que le reste de la Suisse c'était allemand. Je pense que personne n'avait personne qui ferait ça. Hein. Bah c'est ça, non? Le jet d'eau de Romain n'est pas mal non plus. C'est pour ça. Il s'est arrêté 3 ou 4 fois en 2 heures de trajet pour faire pipi. Il faut savoir quelque chose déjà. C'est que je suis quelqu'un le matin que nous on démarrage. Oh là là, j'avoue, c'est vrai que ce matin t'étais pas là. Hein. Mais je suis long au démarrage le matin. Et j'ai besoin de faire caca 1 ou 2 fois le matin pour me démarrer. C'est vrai, la vérité. Donc il a fallu qu'on s'arrête dans quelques stations essence pour que je démarre quoi. Donc démarrer c'est ça pour toi. Oui. D'accord. Moi je comprenais pas, je m'arrêtais, bah oui tu veux t'arrêter, vas-y. Hein. Très bien, très bien. Mais c'est pas si mal que ça, non? C'est ok. Oui. Disons qu'à 9h t'étais là quoi. J'étais à l'heure. Mmh. Pour partir. Oui. Il y a une poubelle ici. Faut la mettre dans le sac. D'accord. T'as dormi où, Liniste? J'ai dormi dans un hôtel. Voilà. Un hôtel avec un lit. Ah, c'était si bien que ça? Oh, pépite. Trop bien. L'oreiller, avec le petit déj de fou en plus. L'oreiller, il était divin. Et le petit déj, parlons-en de ce petit déj. Il y avait une machine qui faisait des pancakes maison automatiquement. On appuyait sur un bouton et il y avait la pâte à pancake qui coulait, qui cuisait et plus qu'il faisait caca un pancake en 3 secondes. C'est assez ouf hein. C'était incroyable. T'allais dormir chez Romain, mais je n'ai pas de chambre d'amis, donc c'est un peu compliqué quoi. Mais et j'ai puis j'aurais pas eu de machine à pancake. Oui, mais c'est moi qui ai payé l'hôtel en plus, hein. Je t'ai invité, c'est moi qui ai payé l'hôtel hein, s'il vous plaît. Oui, oui, très gentleman, j'ai des listes, il m'a invité viens, en paye. Suisse et il m'a payé l'hôtel. Vous avez déjà fait la Via Ferrata, jamais? Oui. Oui, oui, mais il y a longtemps. Elle dort sur le toit de l'immeuble. La fille avec lui, elle a coincé sa ceinture de manteau dans sa portière de voiture en montant. Hein? La fille avec lui, elle a coincé là. Je comprends rien. Manteau. Ouais, il faut trop comprendre un manteau. Je comprends pas surtout la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Après oui, on a déjà tous coincé ses fringues dans la portière d'une voiture. Hein. Moi jamais. Tu te la pètes. Moi ça m'est jamais arrivé. Et je suis allé, c'est de la qualité en fait, c'est vraiment super beau. C'est très stylé. Hein. Elle est comment la batterie? Bah j'ai plus de... Putain alors là pour remettre avec... Ouais non mais là je vois même pas l'écran. Je peux même pas remonter à une visite parce que je vois pas l'écran là. Ouais ouais là c'est touché. Donc là on voit qu'on est en live sur la téléphone de Nice. Mais je vous jure on ne voit rien sur mon téléphone. Je ne sais pas s'il y a des infos. Je ne vois rien du tout. Eh bien je te suggère que nous continuions si c'est ok pour toi. Ouais je fais au moins juste un petit coup. C'est parti. Histoire que les gens puissent voir. Je pense que le bout de la crête là-bas, ça va être merveilleux en termes de paysage et je vais remettre ma casquette avant de cramer. Ça va être merveilleux, merveilleux. Pour moi, tu rajoutes des sandales chaussettes, il y a du look du suisse allemand. Ah ouais? Mais bah, alors je suis suisse allemand donc ça va quoi, ça tombe bien. Ah ouais? Ma mère est suisse allemande donc j'ai des origines suisse allemande. Ouais. D'accord. J'ai des origines suisse allemandes. Il y a des origines à l'intérieur du pays. Bah genre toi t'as des origines bretonnes par exemple. Mais personne dit ça. Hein. Bien sûr. Personne dit vous avez, j'ai des origines bretonnes en France. Bah j'ai des origines bof, pas trop. T'as des origines bof? Non. Elle a dit qu'elle a des origines bof. Non mais ça c'est certain, oui. On dit je suis breton. Ah, mais origine bretonne ça se dit. En disant que nous les Suisses on est riches, c'est pas vrai, il y en a aussi des super riches. Et des giga super riches. Ah c'est vrai ça, ouais. Si je suis corse des fois, ouais voilà ça dit. Ouais mais corse c'est pas pareil, c'est nil. Ils sont fiers les Corses. Ou alors c'est parce que je suis née à Paris et que du coup en Île-de-France et que du coup il n'y a rien d'intéressant. Comment je remets la luminosité? Mais tu remets pas. Mais après je pourrais pas tourner le téléphone. Ah tu peux pas suivre. Je ne vois rien. Vous êtes invisible pour moi, je vous jure vous êtes invisible. Je peux suivre peut-être avec mon téléphone pour même s'il y a un délai de quelques secondes. Mais attends, mais c'est juste pour. Ou alors tu te mets dans l'ombre sous la table. Ouais alors le chat ça va être bizarre ce qui va se passer là mais. Vous inquiétez pas. Il se met sous la table. Ah. Vous inquiétez pas, c'est juste pour que je puisse voir. Tu vois mieux ou pas? Et je vois rien. Non, tu vois rien? Ah si, attends. Ah, j'ai hâte de voir ça dans le chat. Plus que 2%? Non. Non, non. Oh, le rototo! Qui a roté? Oh, je l'ai entendu d'ici. Mais c'est pas moi. Hein. Ah, il sortait du cœur. Il y a le gardien du télésiège qui a fait un. Ah rond. Ouais? Je vois rien, Nice. Le gars il m'a répondu, tu vois rien. Est-ce que limite à mettre la lumière sur mon téléphone? Avec ton téléphone? Est-ce que... Ah, quoi? Genre éclairer? Bah non, on peut pas éclairer, c'est pas le problème d'éclairage d'écran. Ça marchera pas? Bah non, c'est la... Faut que tu te mettes dans l'ombre, vraiment l'ombre, je pense, pour voir quelque chose. Comment je fais?
Attends. Moi, je fléchette 7%. Comment je fais? J'essaie. Mais tu vois quelque chose? Vas-y, essaye. Hein, mais... J'avoue, je ne vois rien. Voit rien. Mais ton écran est éteint. Non, bah non, c'est pas possible. Non, mais on ne voit rien. Ça va être très bizarre à suivre. Hein. Bah après, tu peux te fier avec le petit délai là, comme ça. Mais sinon, putain, mais je sais pas comment faire. Hein. Bah du coup, on sait pas quand le live va s'éteindre, quoi, du coup. Sinon, tu vas vraiment sous... je peux... Tu veux essayer? Ouais. Bon, alors le chat, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Je vais actuellement me diriger... Tu pourrais juste essayer de me tenir ça? Je vais actuellement me diriger sous la table, avec un téléphone. Je ne vois rien. La batterie à moins de 5%, on ne voit quasiment plus l'écran. Ouais, mais même quand j'allais te baisser avant. Ah, ça vient de se débrancher. C'est très compliqué le chat, ce qui se passe actuellement. Non, je vois rien, du tout. Écoute, on voit live comme ça, hein, on verra. Je ne vois rien et le problème, c'est que j'ai peur de faire une bêtise en touchant. Écoutez le chat, je ne sais pas si le téléphone va tenir ou pas. Je vous le dis sincèrement. Donc, si se pourrait que ça coupe un moment ou un autre, on va garder branché un maximum pour espérer que ça ne coupe pas trop vite. Et je peux plus tourner le téléphone. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je ferai des tours comme ça pour que vous puissiez voir le paysage. Mais vous aurez toujours notre tête. Voilà. Puis tu peux te baser. Tu veux garder ça pour garder le garde-le toi. Okay. À mon avis, il y a moins de 5%. Mais je pense pas. Hein. C'est quelle heure là? Il est actuellement 14h23. C'est dommage. Parce que la mise en avant jusqu'à 15h, c'est quand même dommage de couper avant quoi. Mais on va bouger et puis on va espérer que ça tienne. De toute façon, même si ta batterie diminue, tu ne peux pas. Je peux rien faire. Hein. Tu ne peux rien faire. Tu veux que je prenne le sac à dos un peu? Putain, c'est bouché. Non, je vais prendre mon sac. Tu prends le sac à dos toi? En fait, c'est bien, ouais, comme ça je peux me concentrer sur le chargeur. Vas-y, on fait comme ça. Je suis encore en live là? Tu es totalement en live, tu filmes un peu trop en l'air. Je filme trop là-bas, faudra que tu me dises. Hein. Faudra que tu me dises où filmer. Y a pas de soucis. Alors, le chemin qu'on va prendre, regardez ça. Du coup, là, je ne vois plus le chat, hein. C'est toi qui vas me dire. Mais regardez, on va partir là-bas, du coup, on va faire la crête. Je crois qu'on a déjà fait à peu près la moitié de la balade. Hein. On a déjà fait à peu près la moitié de la balade là. Tu penses? Ouais, En tout cas, on a fait le plus dur. Ouais, on a fait le plus dur, c'est sûr ça. Là, ça charge toujours, nickel, donc. Ouais, nickel l'angle. L'angle est nickel. Donc voilà, où on parle. Ça va être très beau. Tu peux me dire un peu ce qui se dit dans le chat du coup. Alors, un petit dénivelé positif de 2000 mètres. Allez. Ouais, ça me fait bizarre là, j'ai plus de sac à dos, j'ai rien dans les poches. Il y a 6 minutes qui demande si on peut rentrer dans la cabane. Non, puisqu'il s'agit d'un télésiège. Ouais, c'est des trucs de télésiège. Non, on va pas les dire bonjour. Enfin, on pourrait les dire bonjour, mais. Ah bah, on pourrait, on a déjà commencé un premier contact. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. De... Ah bah, chiche. Vous êtes en live. Êtes-vous capable? Un seul suffit. Vous en vendez un deuxième. Bah, on est en live là, si jamais, donc. Ouais, vaut mieux pas. Il suffit de filmer là-bas. Je peux filmer de l'autre côté, c'est vrai. On voit pas votre visage et. Non, c'est juste pour. En fait, en gros, c'est faire découvrir un peu la Suisse aux gens de Internet, en gros. Moi, je viens de Genève et du coup, je fais des balades un peu tous les mois. Et ça, c'est une autre amie qui fait aussi de la création de contenu sur Internet. Puis j'invite chaque fois quelqu'un pour aller faire un petit peu des balades en Suisse. Génial. Voilà. Je ne viens pas de Suisse, moi, donc je découvre. C'est très très beau. Et c'est beau la Suisse. Ah, c'est très beau la Suisse. Oh, ouais. Le coin ici est vraiment sympa quand même. C'est... La double crème. Non, elle n'a pas goûté la double crème. Ah, le double crème, non. Elle n'a pas goûté ça. Elle est arrivée hier soir. Hein. Bah, voilà. Hier soir, on n'a pas goûté le double crème. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment plus. Rien que le nom, ça l'a fait bien rêver. C'est vrai, mais c'est double pas mal crème. En plus. Hein. On meurt un double crème, c'est vrai. Bonne journée en tout cas. Merci. Bonne journée. Prêt à nous vendre un deuxième rang. Oui, à fond. Alors, je tourne. Ouais, merci, c'est gentil. Je sais pas si au fond, on voit le Mont Blanc. Peut-être que quand on se rapprochera, on va un peu mieux. On le voit nous, mais à la caméra, je sais pas si on le voit. Tu vois que les gens sont sympas. Attention aux descentes. Oui. Ça peut être prête. Tu vois que les gens sont. Il raconte quelque chose, le chat. Ah, il va nous raconter quelque chose, Niniste. Anecdote personnelle que j'ai découvert chez Romain. Anecdote personnelle que tu as découvert chez moi, c'est-à-dire. La caméra. Oui. Parce que regarde, ça te fait une petite. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai découvert que Romain avait une capacité de manger extrêmement, extrêmement rapide. Je n'ai jamais vu quelqu'un engloutir une assiette aussi vite. Non, je suis un glouton, c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai, je suis vraiment un glouton. C'était totalement le mot. Mais les gens ils croient pas trop en général, mais vraiment, je suis le glouton original. Hein. On a été du coup dans un café pour manger un bout hier soir, après avoir visité Genève. Et on nous a servi des assiettes gigantesques. J'ai à peine eu le temps de découper ce que j'avais dans l'assiette.
je lève les yeux, Romain avait fini son assiette. Mais c'était du saumon et du chevrochon, c'était trop bon. J'ai le droit de manger. Ah, avale tout. Non mais ne me shame pas, j'ai le droit de manger, non? Pas sympa, Nice. Tu ressembles à Yoshi avec ta tête. C'est vrai? Alors il y a le vent. Ah putain, le chargeur. À mon avis, on va perdre le live, mesdames et messieurs. Dans... Je pense dans 20 minutes, c'est terminé. Hein. Jamais le chargeur, mais avec. Ouais, quand on se déplace, ça se débranche un peu. Donc, okay. Écoutez, je répète, mais si le live se coupe, comme ça là. Ah oh, oui, c'est bon. C'était un peu bas. Ok. C'est à peu près. Oh, c'est tellement beau, on va là. C'est très très beau. Tu pourrais peut-être même le montrer un peu. Ah le vent, ouais, le vent c'est normal que vous ayez le vent dans les oreilles, on ne peut pas combattre le vent. C'est trop bien Monet. Et ça va avec le décor. Oui. Ouais. Ah nous avons Daco qui dit salut, c'est qui la fille avec toi? Daco, tu me vois en live, qu'est-ce que tu racontes? Mais ils te reconnaissent pas, tu sais sur tes lives on n'a pas l'impression que t'es aussi petite, c'est peut-être pour ça hein. Je suis la fille cachée de Romain Jacques. Quoi? Attends, pardon. C'est pour la taille. Non, mais attends, lance pas des idées parce qu'après, il y en a qui vont retenir ça. Ils vont dire, Nini, c'est vrai, c'est ton papa, Romain. Non. On a le même âge. T'as 31 ans? Je crois. T'as 31 ans. Waouh. Waouh. Choc barre. Je suis choc barre de la réaction, vraiment. Je vous dis, je suis choc barre de la réaction. Je suis désolé, c'est nerveux. Ils disent quoi dans le chat? Ils se foutent de ma gueule, je pense. Ah bah oui, ils disent MDR. T'as quel âge? J'ai 28. Mais attends, tu te fous de ma gueule, on a 3 ans d'écart. Oui, non mais. Non mais attends, mais j'ai cru qu'elle allait me dire j'ai 22 avec la réaction là. Ah, j'ai 25, pardon, c'est ouais. Là, je crois. Mais calmez-vous! Mais calmez! C'est la dernière fois que je fais une rando avec Nice, c'est fini. Ah, c'est la dernière fois que je fais une rando avec Nice, tout court. Oh non! Je pars tout seul dans mon coin. Je m'en fous, j'ai pas le chat, je peux plus le voir, je m'en bats les couilles, c'est fini. Non, écoute, ils sont juste contents. Comment ça, ils sont contents? Mais ils sont contents parce que c'est merveilleux. Comment ça, ils sont contents que je parte? Non, ils sont pas contents que tu partes, ils disent que tu t'es. Si je ne peux pas changer l'angle de caméra, parce que je vois plus les gros. Ah, après, attends, c'est quoi? Je peux tenter de mémoire. Hop là. Ça rend quand même très. Est-ce que ça a changé l'angle là ou pas ce que j'ai fait? Nous regardons. Romain, pourquoi tu as une barbe blanche? T'as une barbe blanche? Ça a changé l'angle ou pas? Absolument pas. Bon, bah j'ai essayé de changer l'angle, je vous jure. Hein. J'ai essayé de changer l'angle, mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais par contre, vas-y, je vais faire comme ça quand même. Oh, c'est une folie là. Incroyable. Non, mais là, c'est. On voit bien là ou pas? Bah oui, bien sûr. Oh, c'est un truc de ouf, hein, on est. C'est vraiment un truc de ouf, hein. C'est surtout vertigineux. Baisse un petit peu la caméra, si tu y arrives. Comme ça? Ouais. Oh là là. C'est vraiment trop trop stylé, hein. Mais attends, mais c'est pas ça les pyramides de gypse? Ah ouais? Ça pourrait, non? Alors, est-ce que tu crois que tu... Ah, non, je sais pas. Non, c'est peut-être pas ça, mais c'est très beau aussi les crêtes, la crête là. Hein. Au niveau de la route qui... Ouais, c'est trop beau. Hein. Ah non, c'est débranché. Je vais vous perdre le chat, c'est débranché. Encore. C'est vertigineux en un mot, pas verti le gars dans le chat. Je sens que le live va nous quitter dans quelques instants et ça me va... Ah, ils sont de l'autre côté de la crête, on nous dit. Ah, on a des gens qui s'y connaissent. Hein. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. C'est eux que j'aurais dû inviter plutôt que toi. Hey. Eh bah écoute, la prochaine fois, je te dirai non, tout simplement. Romain et ministre, vous êtes un... Oh, ils ont dit quoi? Un beau couple. Arrêtez de vouloir maquer tous les streamers de sexe opposé. Ça c'est une folie à part ça. Hein. Si tu fais un stream avec quelqu'un du sexe opposé, c'est, c'est terminé. C'est fou ça! De toute façon, moi je préfère Lilo qu'Oninist.
Moi aussi, je préfère l'îlot à Romain. Attends, je préfère l'îlot à tout le monde sur Terre. Waouh. Elle est incroyable. Regardez, je sais pas si on la voit sur les lives, mais on la voit par là-bas. C'est vrai qu'elle est très gentille. Elle est un peu loin, je pense. On verra, écoute. Hein. L'îlot est supérieur à Romain et Ninis. Est-ce que tu l'as nommé pour l'îlot et Stitch ou pas? Non, pas de base, non. Mais bon, c'est ça quand même, quoi. Oui, voilà. Si elle peut te rassurer, ta caméra est très bien. Ma caméra est très bien, merci. Voilà. Oh, même sans rien voir, je suis un beau caméraman. C'est beau, hein? C'est beau. Je répète aussi du coup, mais merci à toutes les personnes qui follow la chaîne, évidemment, qui sub. Je n'ai absolument aucun... Je vois rien du tout. Je vois plus l'écran carrément, même là. Tu le verras après le stream. Je verrai après le stream, donc merci beaucoup. C'est fortement apprécié, ça fait toujours plaisir. Ça soutient aussi ce genre d'initiative, donc bah, merci à vous. Et merci à Twitch aussi de mettre le live en avant. C'est super cool de votre part. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Et merci à Ninis, évidemment. Oui, merci, vite fait. Hein. T'es pas obligé de te forcer, tu vois. Disons que t'as demandé à plein de gens, tout le monde t'a dit non et que moi je t'ai dit oui. C'était un peu le plan Z, mais voilà, c'est ça. Mais j'en profite, hein, totalement. Et c'est quand même un bon plan Z, donc ça va. Voilà, moi je suis totalement ravie d'être ici, sur la chaîne de Romain Jacques, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow Ninis, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Speedrunneuse de talent sur les jeux Mario en général. Challenge runneuse. Abonnez-vous. Allez, premier degré, allez voir Ninis, vraiment. C'est une chouette personne, ça vaut la peine. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas là, je le saurai. Parce que je vous vois là dans le chat. Elle vous voit, ok? Le plan Z ne marche pas, on fait quoi? Eh ben, il a marché, donc la question ne s'est pas posée. Bah, le plan Z ne marche pas, j'ai un clic l'îlot. C'est souvent ça, quand je vais chez quelqu'un avec mon chien, les gens veulent revoir mon chien, mais pas moi. Ouais. C'était un peu triste quand même. Ah, écoute, hein, je fais mauvaise impression chez vous. Ben non. Envoyez des cœurs à Ninis, là, s'il vous plaît, regardez là. Alors concentre-toi, Romain, ne tombe pas. Je ne tomberai plus. Évidemment. On est influenceur ou on n'est pas influenceur? Bon, c'est moi sur un stand gaming pour acheter vos jeux moins chers. Spoiler, il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Non. Tout va bien. Merci pour la vague de cœur, vous êtes gentil. Il n'y a pas eu deux chutes, absolument pas du tout. Ah non, mais les deux chutes pour tous ceux qui sont arrivés en cours de ah, c'était fort. Hein. Vous c'était avez fort. Raté le roulé-boulé de Romain. C'était quand même assez incroyable. Incroyable. Un peu la vue quand même, hein. Ouais, parce que ce qu'on a à notre gauche, c'est de la dynamique. C'est beau. Regardez ce qu'on a monté quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a monté tout ça quand même, hein. On faisait pas semblant avant, on vient de beaucoup plus bas. On vient de beaucoup plus bas que ça, hein. On revoit la neige de tout à l'heure. On revoit la neige de tout à l'heure et ouais, on la voit. Tu mets la caméra un peu plus bas. Ah. Et puis voilà, c'était difficile. C'était pas évident, vraiment. Ah, nous avons Lintorien qui dit hello, vous allez continuer sur cette route jusqu'au col de Bretay. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Tout à fait. La Bretaille. Et non pas la bretelle. La bretelle. La bretelle, non, c'est la Bretaille. Calmez-le. C'était. Ah, il y a personne qui rigole, je suis désolée. Comment ça, y'a personne qui rigole? Ah si, Kaoru a gentiment... apparemment, il a gentiment souri. C'est gentil. On dirait un petit lutin de montagne. Quelle magnifique blague devant 2600 personnes. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est le moment de raconter la blague du dromadaire. Ah, mais est-ce que vous connaissez la blague du dromadaire? C'est une vraie bonne question, ça. Ça, putain, merci Nice. Ah, mais avec plaisir. Vous savez, récemment, j'ai commencé un nouveau régime. Où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Et vu que je ne mange qu'un seul dromadaire par semaine. Alors attention, ta caméra est un peu proche de ton visage. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est mon régime hebdromadaire? C'était bien ou pas? À chaque fois. C'était bien. Il m'a mis littéralement la caméra dans le visage. Et bien sûr, on se marre tous les jours quotidiennement avec Romain Jacques qui filme actuellement son bob. Mais non, c'est l'envers. Ah oui. Regardez le paysage par contre là. On voit bien là ou pas? Oui, c'est beau. Si tu es un peu plus haut, levez un peu le bras si tu peux. Pour pas couvrir le sol. Wow.
Waouh, non mais c'est incroyable. Oh là là. Hein. Oh, regardez le chemin qu'on prend. Oh là là, c'est tellement beau. C'est une dinguerie.